Ouais, bon, on va débuter. Hein, on va débuter la présentation. Allez, c'est parti avec la formation WB Fibolia Morbihan. Ils seront 5 au départ. Aujourd'hui, la formation de Locminé, qui avait remporté le Tour de Bretagne cycliste avec Jean-Louis Leny, notamment, donc 5 coureurs parmi lesquels on aura donc Gaëlig Glon, celui qui avait brillé sur le Tour du Morbihan Junior. On aura également Victor Dréano, ancien lauréat d'étape sur la Ronde Sud-Bourgogne. On aura au départ, à partir du Dossard 63, Théo Laurence, qui avait brillé du côté de Chantonnay. Nathan Ruot sera lui aussi au départ aujourd'hui. Il avait terminé 4e du Tour des Mauges, 6e sur le Grand Prix de Locminé. Et pour compléter la formation, Luc Aguillet, qui avait par le passé porté le maillot de Nantes. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour le team WB Fibolia Morbihan. Voilà, c'est embouteillage sur le podium de présentation. On va continuer avec la formation Côte d'Armor Cyclisme. On aura donc au départ aujourd'hui celui qui a levé les bras du côté de Sainte-Flèvre-des-Loups, Enzo Boulet, qui sera aujourd'hui aux côtés donc de Kylian Briand. On aura la présence également de Swan Glou. Antonin Héron sera présent au départ. On a également le Britannique Adam Lewis. Maxime Rio sera présent pour la formation costarmoricaine, celui qui avait brillé en remportant notamment la Mélrandez par le passé. Pour compléter, eh bien, Valentin Vézy sera au départ, celui qui était 8e du côté du Grand Prix de Dinan. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour la formation Côte d'Armor Cyclisme. On a le plaisir de saluer Amaury. Alors, on va pas parler trop fort parce que je crois qu'il se réveille juste. Hein. Salut Amaury. Bonjour Marion. Non, j'ai été bien présent parmi vous à Comquier depuis ce matin, mais aux côtés en cabine de Simon Philippot. Et on accueille donc l'US Saint-Herblain avec Raphaël Guidec, Lohan Leroy, Romain Mancel, Quentin Michel et puis également Valentin Roth. Attends, c'était. Merde. Les applaudissements pour l'US Saint-Herblain. On va continuer en retour en Bretagne avec le Vélo Club du Pays de l'Odéac. Le Vélo Club du Pays de l'Odéac, on retrouvera au départ aujourd'hui notamment la présence donc de Paul Cordon, celui qui a brillé sur la Ronde Finistérienne. On aura également Valentin Gillot, le coureur de 19 ans. Pierre-Alexandre Jarnot est au départ. Il avait brillé du côté du Tour de Ruiz de la Mélrandaise ou encore du côté de Locminé. On aura un coureur que l'on connaît bien ici, bien entendu, c'est Brian Monnier. Il avait été champion de France sur piste dans les jeunes catégories. La présence également aujourd'hui. Alors j'ai l'impression que j'ai pas la bonne liste. On nous a tendu un piège parce que Maximilien Provost, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas là. Alors c'est qui est à sa place? Si on pouvait nous apporter une bonne liste aussi, ce serait pas mal, s'il vous plaît. Bon, j'avais Maximilien Provost, Dimitri Soulabeille et Malo Stévan. Et c'est Mathis Rondel, voilà, qui remplace donc Maximilien Provost. On est heureux de te retrouver, Mathis. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le VCP Loudéac.
Alors que l'on va accueillir le Vélo Club Lucéen dans quelques instants, on aura plaisir de retrouver Mathieu Urbain qui était deuxième d'une étape du Trophée Maxime Médérel la saison dernière. On retrouvera également Kendrick Clavier ou encore Florian Capoen. On retrouvera également Thomas Hélan, 15e du Grand Prix des Vins de Panzou. Et on retrouvera Bertrand Goupil d'Ossard 186 qui terminait deuxième du Prix de la Libération à Artenay. Et puis enfin Nicolas Brimontier qui rejoint cette année les couleurs du Vélo Club Lucéen. Il terminait notamment 5e d'une étape du Trophée Maxime Médérel. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour le Vélo Club Lucéen. Allez, on va continuer avec Lucé Chollet, 49, qui nous rejoint sur le podium du conseil départemental de la Vendée avec la présence aujourd'hui pour la formation choletaise de Thibaut Pomard, celui qui avait brillé du côté des boucles de Loire-Bercé. On aura également la présence d'Alexis Robert, 4e du Tour de Ruisse. Il avait brillé également sur les routes du Tour de Loire-Atlantique. On aura au départ aujourd'hui Alexis Fouquet, celui qui avait terminé 2e du Challenge Mayennais. La présence également d'Erwan Beignet, également Axel Taillandier, qui avait été élu le plus combatif de la manche de Sainte-Flève-des-Loups. On aura la présence de Baptiste Fernandez ou encore celle de Valentin Bramoulet, celui qui avait été champion de France dans les jeunes catégories. Si, il est bien là. Non, mais je vérifie parce que du coup, j'ai peur qu'on n'ait pas les bons noms sur les listes. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Lucé Chollet, 49. Alors que nous rejoint l'équipe belge du côté de Mini Discar Cycling Team, on aura grand plaisir à retrouver Marvin Tassé qui terminait 20e du côté de Chantonnay mardi dernier. On retrouvera également Thomas Portsmouth, Tom Amelric. On retrouvera également Guillaume Van Vlaanderen qui rejoint cette année c'est les couleurs de l'équipe Mini Discar Cycling Team. Le porteur du dossard numéro 15, Antoine Clou, il terminait 19e jeudi dernier du côté de Sainte-Flève-des-Loups. Et puis enfin Noah De Greff qui terminait notamment 16e du côté de Chalon, 19e à Chantonnay. Et enfin Sven Asser qui rejoint également cette équipe de la Mini Discar Cycling Team que vous pouvez bien évidemment applaudir. Alors que l'on va enchaîner, Marion. Là. Alors que nous rejoint la team LMP La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Avec Davy Croquette qui est présent juste ici à ma gauche, dit Davy Romian, avec Mathieu Loiseau, avec le Belge de l'équipe. Il y a une super friterie belge, je ne sais pas si tu la connais d'ailleurs, à Comquier. Non, ben voilà, à découvrir. On t'en a parlé, voilà. Il offre un bon au premier belge aujourd'hui. Il y a peut-être un truc à faire. Ouais, c'est ça. Arnaud Vos, en tout cas, donc, qui est présent. Bon, on va reprendre la présentation quand même un petit peu plus sérieusement pour le team LMP Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. D'autant plus que nous aurons le vainqueur du circuit des plages vendéennes dans cette équipe. Je reprends sérieusement donc avec Mathieu Loiseau qui sera au départ. On aura la présence également de Jérémy Patou, celui qui avait remporté étape sur le Nivernais. Morvan, la présence de Paul Boulet qui est dans cette équipe, qui a brillé du côté du trophée Maxime Médérel ou encore sur le chrono des Achards. Le Belge, on le disait, donc Arnaud Vos, la présence de Clément Orso, le sprinter qui avait déjà par le passé remporté notamment le circuit des plages vendéennes, en tout cas son classement général et bon nombre de manches. La présence de Davy Romian et puis on parlait bien sûr donc de celui qui va remporter le 35e circuit des plages vendéennes. Il a remporté la première manche du côté de Chalon. Il ne sera pas possible d'égaler le nombre de points puisqu'il a 33 points d'avance sur Enzo Boulet. C'est Théo Menant, mesdames et messieurs, que l'on retrouvera tout à l'heure ici du côté du podium protocolaire. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le team LMP La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme.
Alors que l'on invite Dinan Sport Cycling à nous rejoindre et on retrouvera notamment Lucas Caro que l'on connaissait la saison passée sous les couleurs des Sables Vendée Cyclisme. Il terminait notamment sixième de la ronde du Lyonnais. On retrouvera également à ses côtés Léo Saillant-Fest, Valentin Mas qui terminait début février 15e de la Flèche Bigouden. On retrouvera également Samuel Lepage, qui portait les couleurs de Morlaix Cyclisme Performance la saison dernière. Il terminait troisième du Grand Prix de Locminé. On retrouvera aussi le porteur du Dossard 85 en la personne de Benjamin Grelat. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour cette équipe du Dinan Sport Cycling. Le vélo club Avranchinet qui nous rejoint. On aura bien six coureurs au départ aujourd'hui avec la présence notamment de Cédric Anguéard, coureur de 34 ans, aux côtés de Clément Tabouret qui avait brillé du côté du circuit du Menet. Nous aurons également au départ Romain Cueff qui lui avait brillé du côté de la Rochauffée. La présence de Jérémy Royer. Nous aurons également à ses côtés Raphaël Glo qui avait brillé du côté de Trélazé ou encore sur le mémorial d'Automne à Chasse-Neuil pour emmener cette formation avranchinaise. Aurélien Lelay, celui qui avait remporté la Flèche Bigouden, ancien lauréat de Paris-Mantoue, encore de la Mélrandaise. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le Vélo Club Avranchinet. Alors que Sosa Sun Espoir nous rejoint avec notamment Damien Baudard. Il terminait troisième de la deuxième étape du Tour de Loire Atlantique la saison dernière, quatrième du côté du Grand Prix de Valette ou encore septième de Paris-Conneré. On retrouvera à ses côtés Nathan Le Piouf, neuvième au championnat de Bretagne la saison dernière. On retrouvera également Pierre-Emmanuel Dubois ou encore Adrien Garel qui levait les bras du côté du Grand Prix de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il terminait également troisième de la Vienne Classique ou encore septième du classement général du Tour de l'Esneven. On retrouvera aussi Léopold Jamin, porteur du Dossard 35, Maxime Pasturel qui rejoint cette saison cette équipe Sojasun après avoir été formé du côté du Pays de l'Oudéac. Et puis enfin, on retrouvera Lilian Jouan-Jean qui terminait notamment huitième d'une étape de la ronde finistérienne. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Sojasun Espoir. À direction l'UCP Morlaix cette fois-ci avec la présence au départ aujourd'hui pour cette dernière manche de Gaëtan Billon, celui qui avait brillé, ancien lauréat d'étape du côté de l'Esnevin. Nous aurons à ses côtés donc Vincent Dréau, la présence de Gauthier Hervaux, le coureur finistérien qui aura la présence à ses côtés également de Loïc Le Barbier. Nous aurons Gauthier Morel qui sera présent au départ, celui qui avait brillé dans les rangs juniors l'an passé du côté du Kreisbrez Avenir, du Tour du Morbihan, encore sur les championnats de Bretagne. Et pour compléter la formation, William Philippe, le jeune coureur de 19 ans. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour l'Union cycliste du Pays de Morlaix. Alors que nous rejoint l'équipe nordiste de l'ESSEC-Douai, pardon, avec Baptiste Bernard, et décidément, il levait les bras du côté du Grand Prix de Comeny la saison dernière. Il terminait troisième du Grand Prix d'Alicourt. On retrouvera à ses côtés Mathéo Dutombois. Il était deuxième du championnat des Hauts-de-France juniors. Il terminait également quatrième d'une étape de la Bercy Classique. On retrouvera Léandre Huc, qui terminait septième du prix de Lillebonne. Il levait les bras du côté du prix de Rallycourt. On aura également plaisir à retrouver Thibaut Nojac ou encore Aubin Vasseur. Et puis enfin, le porteur du Dossard 107 en la personne de Bastien Pichon, qui terminait notamment 9e du championnat de France junior en 2020. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour cette formation nordiste de l'ESSEC-Douai.
Allez, on va pouvoir accueillir une nouvelle formation avec un maillot auquel il faudra vous habituer. Mention spéciale pour ce nouveau maillot qui est magnifique. Je dis pas ça parce que t'es vendéen et qu'on est voisins, mais ouais, très très beau maillot. Vous l'avez reçu dans la nuit, là, vous l'avez reçu hier ? Reçu vendredi, mais voilà, il inaugure aujourd'hui. Très très beau maillot pour le CC Périgueux Dordogne, avec au départ aujourd'hui Lucas Aumenier, celui qui avait connu les podiums du côté du trophée Maxime Médérel sur la Nocturne de Blossac, et bien d'autres. Il y aura à ses côtés Mathieu Morichon, celui qui avait remporté pas moins de 5 cyclocross cet hiver, ancien champion de Nouvelle-Aquitaine de la discipline. Nous aurons également l'homme le plus expérimenté du peloton, Julien Lamy, qui avait remporté l'an passé le prix de Vivonne. Il y aura le Britannique Callum O'Connor, qui lui avait terminé deuxième du chrono creusois. La présence d'Aurélien Pasquet, qui avait connu le podium sur le Grand Prix de l'île d'Espagnac et sur la Nocturne du Bouscat. Et puis la présence de Damien Lapouge, qui avait remporté le Critérium de Périgueux. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le CC Périgueux Dordogne. Alors que nous rejoint l'équipe Océane Top 16, on retrouvera pour cette formation Théo Bacco. On retrouvera à ses côtés Louis Lapierre qui signait 11 top 10 la saison dernière. Il terminait notamment 3e du Tour de Ruisse ou encore 4e des Boucles de la Loire. On retrouvera à ses côtés Alexis Dilijard. Il était vainqueur sur une étape du trophée Maxime Médérel. Il était également vainqueur de la Nocturne de Jarnac ou 5e du championnat de Nouvelle-Aquitaine. On retrouvera le porteur du dossard 44 en la personne de Ryan Lachny. À ses côtés, Lucas Weingart. Je ne sais pas si je prononce bien, excuse-moi. Il terminait 3e de la semi-nocturne de Barbezieux ou encore 7e de la 4e étape du Tour des Deux-Sèvres. On retrouvera également Valérien Lajonnet qui rejoint cette saison les couleurs de l'Océane Top 16. Et puis enfin Mathis Tiffaigne qui terminait 4e de la Bernaudot Junior notamment. Et on salue Simon Philippot qui est à mes côtés. Vos applaudissements mesdames, messieurs pour l'Océane Top 16. Alors que C'est Chartres Cyclisme nous rejoint, avec notamment Arnaud Fouquet qui terminait 9e du Grand Prix des Vins de Panzou la saison dernière. On retrouvera à ses côtés Thomas Surgé, pardon, qui rejoint cette équipe de C'est Chartres Cyclisme cette saison. On retrouvera également Dimitri Jousse qui terminait 8e du championnat de Centre-Val de Loire Junior en 2021. On retrouvera également le porteur du dossard 244, Thomas Touchard, Alexandre Plessis ou bien encore Baptiste Constantin qui portait la saison dernière les couleurs de l'UC Nantes Atlantique. Il signait 14 top 10 et 4 victoires, notamment du Grand Prix de la Couronne ou encore de la Nocturne de Blozac à Châtellerault. Et puis enfin, le dernier de cette équipe porteur dossard 47 en la personne de Maxime Maison qui terminait 3e de la Nocturne de Chauvigny. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour C'est Chartres Cyclisme. Allez, on va continuer avec le VCI Schwanheim. Nous aurons départ les jumeaux australiens Matthew et Timothy Harvey. On aura également Thibaut Demarque, le jeune coureur de 20 ans, à ses côtés. La présence donc de Timothée Gabriel, un coureur qui brille dans les sous-bois, qui avait brillé sur les championnats de France, notamment champion régional du Grand Est. Il avait brillé du côté du cyclocross de Gruyère. Nous aurons également la présence d'Hugo Tirotel. Le rouleur qui avait pris la 10e place du côté du prix des Trois Communes. Et pour en terminer sur le VCU Schwanheim, il y aura donc Théo Paufer, le coureur donc qui complète cette sélection de Schwanheim. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour le VCU Schwanheim.
Alors que le Vélosport Valtet va nous rejoindre, c'était ma première équipe que je présentais le week-end dernier du côté de Challans. On retrouvera le porteur du dossard 151 avec Adrien Baron. Il terminait notamment 7e du Grand Prix de La Rochauffée. Rémi Bruyère qui fêtait en début de semaine son anniversaire. On retrouvera également Eugène Kakizaki que l'on a vu à de nombreuses reprises sur ces plages vendéennes. Il terminait notamment 8e du côté de Challans ou encore 5e du côté de Sainte-Flève-des-Loups. On retrouvera aussi Valentin Ménard ou encore Cyril Patou qui signait 16 top 10 la saison dernière. Il me semble qu'il vient pour la 7e fois sur ces plages vendéennes. On retrouvera à ses côtés Clément Tesser ou enfin le porteur du dossard 157, Vianney Bernard qui rejoint cette équipe du Vélosport Valtet que vous pouvez applaudir. Bonjour. Les Sables Vendées Cyclisme, si vous ne les connaissiez pas encore, eh bien on va pouvoir vous les présenter justement, la formation donc des Sables Vendées Cyclisme avec au départ aujourd'hui Thomas Cordero Marquez, celui qui avait brillé du côté du Tour des Landes notamment. Il aura de présent à ses côtés Théo Loseille, lui s'était illustré du côté du prix Marcel Bergerot de la Nocturne des Remparts, c'était à Angoulême. Il y aura au départ Pierrick Jamin, le coureur qui avait brillé à Valette, à Chantonnay ou encore au Grand Prix d'Availle-Limousine. La présence de Simon Bourmeau, lui s'était illustré du côté d'Anjou, Pays de la Loire ou encore du Prix de Buxerolles. La présence de Flavien Boire, au départ un coureur qui avait brillé à Valette, à Chantonnay également. Enzo Chaillot est au départ. Et puis la présence de Vadim Deslandes, celui qui avait brillé du côté du Chrono des Achats, ancien vainqueur d'étape sur l'Essor breton. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour les Sables Vendées Cyclisme. Alors que Bretagne Sud Cycliste Museca nous rejoint, on a le plaisir de retrouver Erwan Brenterch, qui était notamment présent du côté de Manche-Océan. On retrouve également Guillaume Coquin, qui terminait deuxième du Grand Prix de la Saint-Pierre à Plouha, ou encore dixième de la Ronde du Viaduc à Morlaix. Nicolas David, qui rejoint les couleurs de cette équipe Bretagne-Sud Sud Cyclisme cette saison. Il signait 13 top 10 en 2021. Il levait les bras notamment du côté d'une étape de la Ronde finistérienne. On retrouvera également Anthony Aspo, qui rejoint ses plages vendéennes, après avoir porté les couleurs des Sables Vendée Cyclisme la saison dernière. À ses côtés, Lucas Segui ou encore Hugo Tanguy. Et il me semble que j'ai oublié Ludovic Maurice, que l'on n'oubliera vraiment pas de citer. Il terminait notamment 12e du championnat de Bretagne et 13e du championnat de contre-la-montre. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour l'équipe Bretagne Sud Cyclisme UCK. Allez, le Vendée du Pays de la Loire qui a vécu la journée parfaite hier, bien sûr sur le circuit des plages vendéennes, avec la victoire du contre-la-montre par équipe, mais également du côté d'Aix, où il y a eu le doublé avec Antoine Devanne et avec Émilien Janière sur la Coupe de France. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de retrouver au départ Lucas Boniface, qui avait remporté le Grand Prix Super U des Essarts, la présence du Britannique Alfie George, qui avait remporté le Tour du Pays de Galles dans les rangs juniors, 5e de Paris-Roubaix et 7e des championnats du monde. Et il y aura également le rouleur Antonin Corvézier, qui avait été champion de France sur piste dans les jeunes catégories, la présence d'un autre coureur, Quentin Cohen, qui sera donc lui au départ, coureur canadien qui avait brillé notamment du côté de Biscayco Itzulia. Nous aurons Lucas Grolier, le coureur formé du côté du cyclisme région Pouzauges, qui sera aux côtés de Nicolas Marcerou. Nicolas Marcerou qui avait lui brillé sur le Tour région Sud PACA. Et puis pour compléter la sélection vendéenne, Nicolas Rousset-Favier qui avait remporté le contre-la-montre sur le Tour de la Vallée de la Trembouze. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour le Vendée du Pays de la Loire.
Alors que maintenant nous sommes à 13 minutes du départ fictif, on retrouve les Roses et Chocolat quand même, les surnommés Marion, l'équipe de Laval Cyclisme 53, avec notamment Simon Bernard ou encore Victor Boal qui était notamment 14e de l'Anjou Pays de Loire Espoir. On retrouve à leur côté... J'ai un petit peu de vent dans mes fiches, excusez-moi. Axel Prodhomme qui rejoint cette saison cette équipe donc de Laval. On retrouve également Jules Redoy qui était 10e du circuit des Bruyères à Ballot. Christopher Lamaille ou encore Damien Ridel qui portait la saison dernière les couleurs de l'UC Nantes Atlantique. Il levait les bras du côté du Grand Prix de Vannes ou encore de Parigné-l'Évêque. Il terminait 2e du Grand Prix de Chantonnay et il terminait sur les plages vendéennes dimanche dernier, 11e du côté de Notre-Dame-de-Mont. Et puis enfin, Kylian Génouin qui portait la saison dernière les couleurs du Vélosport Valtet Junior. Il terminait notamment 3e du classement général du Grand Prix Vérandaline. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour cette équipe de Laval Cyclisme 53. Et on va retrouver donc cette fois-ci Lucé Briochine, Bleu Mercure, qui va pouvoir nous rejoindre sur le podium de présentation avec ses 7 coureurs. On aura au départ notamment Kevin Boyer qui sera au départ, celui qui avait terminé 2e du Grand Prix de Saint-Hilaire. C'était l'an passé, il a brillé également du côté du Tour de Loire-Atlantique. La présence de Paul-Michel Montéour, celui qui avait remporté l'an passé la Sport Brace d'automne, qui avait remporté le Grand Prix de la ville de Vannes, où avait brillé du côté de la Finistérienne. Nous aurons Nicolas Silio, à présent au départ. Celui-ci avait remporté notamment donc une étape sur la Pénarbette dans les rangs juniors, 2e du classement général. Il aura à ses côtés donc Hugo Cardrin, qui sera au départ. La présence d'Hugo Rivalin également, qui avait remporté le prix Siri Robert Ardente. Nous aurons également Gauthier Guéguen. Et donc, pour compléter la formation de Lucé Briochine Bleu Mercure, un ancien lauréat du circuit des plages vendéennes notamment, c'est Fabien Schmitt, qui avait remporté l'édition 2018 en s'imposant également du côté de Fougeray, ancien vainqueur du Tour de Bretagne cycliste. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour la formation de Lucé Briochine Bleu Mercure. On va tenir le coup, ouais. Alors que nous rejoint le VCA Saint-Quentin. On retrouve 5 coureurs, il me semble, pour cette équipe avec Maxence Torlet, pardon, qui terminait 7e du Grand Prix de Gomeny. On retrouve également Axel Larenaudie, vainqueur du côté du prix de Frières-Falaisiouls. Je sais pas comment ça se prononce. Il terminait également 7e du Grand Prix d'Alicourt. On retrouve à ses côtés Mathéo Serin. En 2019, il terminait 4e du championnat de Hauts-de-France, pardon, du contre-la-montre junior. À ses côtés, Simon Rifflet, qui rejoint cette saison cette équipe du VCA Saint-Quentin. Il terminait 12e du critérium des remparts de Charleville-Mézières. Et puis enfin, Quentin de Vienne. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour le VCA Saint-Quentin. Je tiens quand même à préciser qu'Axel est venu à la présentation aujourd'hui. Merci Axel. On l'avait pas vu de la semaine, donc... Remarque, en disant ça, il va peut-être plus vouloir revenir. Hein. Et donc on retrouve Team Cube 17 à nos côtés sur le quart podium du conseil départemental de la Vendée avec le porteur du dossard 31 Kevin Montlezin qui rejoint cette saison cette équipe donc du Team Cube 17 après être formé du côté de l'UC Nantes Atlantique. Il terminait notamment 9e du critérium national de Limoges la saison dernière. À ses côtés on retrouve Antoine Alain. Excuse-moi, il était 4e notamment sur 2 étapes du trophée Maxime Méderel. On retrouve le porteur du dossard 234, Edouard Ryan, ou encore Kylian Larpe. Pareil, il rejoint cette saison cette équipe après être formé du côté de l'Océane Top 16. Il signait la saison dernière 14 top 10. On retrouve également Florian Latour, c'est sa 3e participation sur ces plages vendéennes, me semble-t-il. Et Victor Danton, qui était formé du côté de Crozes Oxygène à Guéret. Il terminait notamment 5e de la Nocturne de Poitiers ou encore 6e de la Nocturne de Buxerolles. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour le team U-Cube 17.
Et on rappelle qu'il y aura donc 147 km total aujourd'hui, 7 boucles de 21 km 100. Nous sommes à 9 minutes du départ. Enfin, pas 9 minutes, parce que 9 minutes, c'est pour le départ réel. Donc 7 minutes du départ fictif. Alors que l'on peut remercier les principaux partenaires de cette 35e édition du circuit des plages vendéennes, avec notamment le département de la Vendée, premier partenaire du sport en Vendée, la région Pays de la Loire, la ville de Comquay qui nous accueille aujourd'hui sur ces terres. On peut remercier également les magasins U de Vendée qui parrainent le classement du général. Du maillot jaune, pardon. On retrouve également Voisin Construction parmi ses fidèles partenaires qui félicitera le titulaire des Roches. On remercie également Véranda Gustave Rideau qui félicitera tout à l'heure le meilleur espoir, la fondation Yves Cugnot que l'on n'a pas manqué de citer hier du côté du Poiré Survie pour ce qui concerne le classement par équipe. On remercie également le Crédit Mutuel qui parraine le classement des points chauds. Et puis enfin, un des partenaires principaux avec Besso Automobile, hein, présent du côté de Saint-Jean-de-Mont et qui remettra à l'issue de cette épreuve le prix de la combativité. Comquay qui accueille donc cette sixième manche du circuit des plages vendéennes. On avait eu le plaisir avec toute l'organisation de venir déjà en 2010. Ça faisait quelques années quand même. 2010, la dernière fois, c'était un certain Tony Hurel qui s'était imposé sous les couleurs du Vendée du Pays de la Loire. C'était en doublé. On parlait du doublé hier d'Antoine Devanne et d'Emilien Janière sur la Coupe de France. Eh bien, à Comquay en 2010, c'était le doublé puisque c'était Jérôme Cousin qui donc avait terminé deuxième, Mathieu Alleghen de Bretagne-Schuller terminé troisième. Il y avait eu également une visite des plages en 2002. Fabien Fernandez, à l'époque, sous les couleurs du cycle poids de vin, s'était imposé. On a le plaisir de revenir ici. On rappelle qu'il y aura trois points chauds au carrefour de la D82 et la D107, la route d'Apremont, au deuxième, troisième et cinquième tour. Et il y aura trois roches au deuxième, troisième et cinquième passage sur la ligne 7 tours. Au total, 147 km, 146 km 900 si on veut être tout à fait précis. Et puis on va donner le départ bien sûr dans quelques instants à donc 13h28. Mais avant cela, eh bien, nous tenions avec l'organisation à rendre hommage à Marie-Claude Odéon qui nous a quittés il y a une dizaine de jours, qui était une bénévole très investie dans l'organisation du circuit des plages vendéennes, notamment du côté de la logistique, de la restauration. Elle avait toujours un petit sourire, un petit mot gentil pour chacun des bénévoles qui venaient se restaurer avant les épreuves. Elle nous a quittés juste avant le début de cette 35e édition. Et en son honneur, eh bien, je vous demande, s'il vous plaît, de respecter une minute d'applaudissement. Merci, merci pour elle, merci pour sa famille qui était présente avec nous également sur la ligne. Bien sûr, on a une très forte pensée pour sa famille et ses proches. On va donc dans quelques instants, bien sûr, laisser le temps à nos motards de Vendée Sécurité Course, qu'on a plaisir d'ailleurs à saluer parce qu'ils assurent la sécurité des coureurs, mais également des équipes et des bénévoles tout au long de cette 35e édition du circuit des plages vendéennes, et ce déjà depuis bon nombre d'années, le temps que chacun puisse regagner également à ses véhicules. L'occasion de saluer Patrick Guérin, le président du comité d'organisation du circuit des plages vendéennes, qui a eu également, eh bien, à cœur de mettre en avant les femmes depuis hier, puisqu'il y a eu donc la première édition du circuit des plages vendéennes féminines avec la course en ligne hier du côté du Poiré Survie et le contre-la-montre par équipe ce matin remporté par les Braise Ladies. Et donc la dernière manche
va nous animer en toute cet après-midi ici du côté de Comiquier à Maury avec, on le disait, 146 km 900 au programme, des rushs, des points chauds, un plus combatif, un protocole final. Alors c'est vrai que, eh bien, côté classement général, on sait d'ores et déjà que Théo Menon ne pourra pas être rejoint au niveau du classement des points. On devrait donc retrouver le coureur du team LMP La Roche-Vendée des cyclismes tout à l'heure sur le podium protocolaire. Tout à fait, hein, Théo Menon qui avait notamment remporté l'étape de Challans. On le retrouvait régler le sprint du peloton du côté de Notre-Dame-de-Mont, absent de la manche de Chantonnay. On avait grand plaisir de le retrouver à Sainte-Flève-des-Loups, où il s'était également illustré, et puis il signait le quatrième temps avec l'équipe de Team LMP La Roche-sur-Yon-Vendée Cyclisme hier pour le contre-la-montre par équipe. D'ailleurs, La Roche-sur-Yon-Vendée Cyclisme, le Team LMP qui terminait première des équipes de National 2. Et puis voilà, maintenant nous sommes à... Non, on n'est pas à 4 minutes, ils étaient quatrième de l'épreuve hier. On va y arriver, alors que maintenant nous sommes à 1-2 minutes de ce départ fictif. Puisque c'est censé être donné à 13h28. Oui, on est à quelques secondes hein, désormais donc du départ. Allez, tant qu'on nous donne le top, hein, bien sûr, pour pouvoir libérer ce peloton conséquent qui devrait être alors un petit peu moins de 164 parce qu'on a vu qu'il y avait des coureurs qui avaient été supprimés de la liste, probablement 161 coureurs, 160-161 coureurs. Un peloton conséquent pour cette dernière manche du circuit des plages vendéennes aujourd'hui. Et puisque les premiers véhicules avancent, eh bien nous allons donc pouvoir donner le départ à 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on souhaite bien sûr une excellente course. Allez mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour si vous étiez déjà présents avec nous ce matin pour l'épreuve féminine. Nous sommes en direct de Comtier pour vivre ensemble la sixième et dernière manche du circuit des plages vendéennes. Sur un parcours long de 146 km 900 aujourd'hui avec un premier tour de 20 km 300. Puis 6 tours de 21 km 100, départ fictif qui vient d'être donné à l'instant. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui au micro comme en début de semaine par Brian Leclerc. Bonjour Brian. Bonjour Simon et bonjour Simon aussi du coup, puisqu'on est aussi accompagné de Simon Cellier. Oui, effectivement, deux Simons en cabine aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Simon Cellier avec nous également. Bonjour Simon. Bonjour à vous, bonjour Brian, bonjour Simon. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, donc on va vivre ce circuit des plages à Comiquier sur un beau circuit de 21 km. Alors messieurs, je vais vous inviter à rapprocher bien votre micro de la bouche pour qu'on vous entende parfaitement bien. Aujourd'hui, sixième et dernière manche, on le sait, au niveau du classement général, Théo Menon occupe la première place, le coureur du team LMP La Roche-Vendée Cyclisme, et qui mathématiquement ne peut pas être battu à l'issue de cette manche. Il sera donc normalement ce soir le vainqueur du classement général. Autant dire qu'on a donc aujourd'hui une course qui va être très ouverte. Ouais, on a Théo qui a mathématiquement gagné le général des plages vendéennes puisqu'il dispose de 33 points d'avance il me semble sur le second, en tout cas pas le second réel du général mais le second qui a pris le départ cet après-midi. Et sachant qu'il n'y a que 30 points à distribuer pour la victoire, Théo a déjà mathématiquement gagné ce général des plages vendéennes 2022. Donc maintenant on va raisonner sur une course d'un jour sans se préoccuper du général pour chacune des équipes et on va courir. Comme on le disait, comme une classique de début de saison. Sur un parcours qui ne présente pas de difficultés particulières, néanmoins les coureurs vont souvent être en prise. Hein. Ça tourne un petit peu dans tous les sens. Il y a une petite route pour revenir ensuite sur Comiquier. C'est ça, on va partir sur jusqu'à Couëc, ça va être une route quand même assez large où ça va avoir du mal à se faire. Très large, des grands bouts droits, des faux plats un peu en prise, et puis on va avoir une route bien plus sinueuse de Couëc jusqu'à Saint-Mexan où là ça va être intéressant, il va falloir être placé pour pas louper l'échappée ou louper les bons coups. Donc on va voir ça y est, c'est parti. Oui, le départ elle qui était donné avec une première accélération d'un coureur du team LMP, La Roche-Vendée Cyclisme. J'ai l'impression que c'est Mathieu Loiseau hein, qui passe à l'offensive. Ouais, c'est le grand. Celui qui a un surnom d'ailleurs, c'est Trou Spinette, on me l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'avec Brian, on fait le tour des surnoms hein, depuis le début de la semaine. Et le grand Loiseau, on va pas demander pourquoi on l'appelle Trou Spinette. Mathieu Loiseau, originaire de Chantonnay. Alors lui, c'est force toujours. Il était hier, avant-hier, non hier, sur le contre-la-montre.
par équipe au poire et survie. Et c'est vrai qu'avoir un gars comme ça dans les, pour l'équipe du team LMP, c'est un vrai atout, comme on le disait déjà hier. C'est quelqu'un qui donne sans compter pour le collectif et qui amène beaucoup à cette équipe vendéenne. Qui essaie de sortir, mais le peloton est revenu sous l'impulsion de WB Fibolia Morbihan. On avait vu à ses côtés un coureur de la type belge Mini Discar Cycling Team qui tentait également de s'extirper. Bon, ça va se ressortir. Sur la droite de la route, donc à gauche de l'écran. Et pour information, ils sont 161 coureurs au départ. 160, autant pour moi, il y a un coureur qui est non partant. C'est le Dossard 224, Simon Riflet du VCA Saint-Quentin, non partant donc sur cette dernière manche. Et comme on dit, Simon, il se sentait pas bien avant le départ. Exactement. Quelques problèmes gastriques. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Il faut s'acclimater au climat vendéen. Climat vendéen où il ne pleut pas plus d'une journée. Et vraiment, d'après notre monsieur météo du jour, Amaury Thibault, il ne devrait pas y avoir de pluie cet après-midi. La pluie ne devrait faire son apparition qu'aux alentours de 19h. Les coureurs devraient donc être au sec durant toute la journée. Simon, ça rappelle des souvenirs, ce circuit des plages vendéennes. Tout à fait. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait plaisir de revenir sur les plages vendéennes, les commenter. Même si on passe de l'autre côté de la barrière, c'est les reprises des courses, le début de la saison. Donc ça fait toujours plaisir. Et on voit que les coureurs sont affûtés, sont là, sont présents pour démarrer cette saison et c'est bien. Il y avait une victoire, si je me souviens bien, du côté de Fougeray en solitaire. Exactement, c'était en 2017, il me semble. Donc c'était ouais, une victoire sur les plages. Donc, jamais simple de gagner sur les plages. Exactement. Et c'est de plus en plus dur. Au final, c'est plus des courses de reprise. On est déjà au top de notre condition. Donc, on a accumulé plusieurs stages. Donc, ouais, tout le monde veut prouver très rapidement. Les équipes maintenant vont quasiment pour la plupart, même pour pas dire pour la totalité, en Espagne ou en tout cas dans le sud de la France, faire des stages de préparation. Donc, c'est plus que des épreuves de reprise. Hein. Comme disait Simon, en général, tous les coureurs arrivent là pour scorer ou en tout cas pour montrer qu'ils sont déjà présent et en forme en début de saison. C'est ça, il n'y a plus de course de reprise. Maintenant, chaque course est importante. On donnera le maximum de soi sur n'importe quelle course. Donc, c'est ça qui est pour nous à suivre. Maintenant, c'est quand même quelque chose de super où tout le monde est toujours à 100% de ses capacités. Et regardez le malin, c'est Clément Orso qui a attaqué là tout de suite, qui a pris le sillage de la moto et qui court avec deux côtes fêlées d'ailleurs. Morceau, oui. Il était tombé sur la première étape à Chaland. Il avait fait un petit séjour à l'hôpital. Il était sorti d'ailleurs à 21h. Il était sorti tard le soir. Et ça ne l'avait pas empêché d'être au départ de Notre-Dame-de-Mont le dimanche. D'ailleurs, il était encore dans le bon coup. C'est ça. Et j'ai pu parler avec lui avant le départ. Il se sent quand même en forme. Donc c'est sur un élément qu'on va pouvoir compter pour l'arrivée, où je mettrai ma petite pièce quand même pour Clément, sur un coéquipier. On sait de quoi il est capable, une arrivée massive où il se trompe rarement quand il est en forme et quand il annonce. Donc un coureur à suivre aujourd'hui. Et là, regardez qui en a à gauche, c'est Théo Menant, le leader des plages vendéennes, qui accélère aussi. Et on voit que ça a du mal à sortir, on tente à plusieurs reprises, notamment du côté de la roche. Mathieu Loiseau a tenté, Clément Orsault a tenté également de partir. Et Théo Menant qui lance maintenant, leader du classement général, donc le coureur du team LNP, la Roche Vendée Cyclisme, on se regarde à nouveau. Alors si on fait les comptes, hein, samedi dernier nous étions du côté de Chaland pour la première manche, victoire donc de Théo Menant, le coureur du team LNP qui venait chercher donc une première victoire sous ses nouvelles couleurs. Dimanche nous étions à Notre-Dame-de-Mont avec une victoire pour le WB Fibolia Morbihan avec Mickaël Dichard qui s'imposait en solitaire devant Antoine Devanne qu'on a vu vainqueur hier du côté du Grand Prix d'Aix en Coupe de France. Mardi, Chantonnay avec une victoire en costaud et en solitaire aussi pour Thomas Bonnet de la formation Vendée-U. Nous étions ensuite jeudi du côté de Sainte-Flève-des-Loups avec une arrivée au sprint, d'arrivée difficile, remportée par Enzo Boulet de la formation Côte d'Armor Marie Morin-U. Et puis hier, contre la montre par équipe, remportée par la formation Vendée-U. On voit en tête de peloton de Vendée hein, qui était à l'attaque sur la gauche de la route avec Lucas Grolier et Damien Baudard. Contré rapidement par un coureur de Cholet et un coureur des Sables, accompagné même d'un coureur de Valette.
Et on tente de sortir d'un courant, donc Cholet, Les Sables, Valette. Et là, ça bastonne un peu en début de course pour sortir. C'est ça. Ça va être compliqué à faire la différence sur des routes larges où malheureusement ça revient tout le temps par derrière, donc ça sera compliqué de faire rideau devant et d'avoir un coup qui va se former, donc il va peut-être falloir attendre Quex, même si là on peut voir que c'est en train de sortir, ça étire un petit peu, il y a un petit groupe là, 7-8 coureurs qui sont sortis. Ça se regarde beaucoup entre N1, on laisse sortir souvent des N2 ou des N3, on en a peut-être, on s'en méfie, moi en tout cas. Mais on voit quand même que ça bataille, hein, le Vendée à la relance. Et on voit les courses de Lucie Cholet. Cholet qui a fait une belle prestation, hein, hier sur le contre-la-montre par équipe. Il vient de chercher la 6ème place. Ouais. Tout comme d'ailleurs le team LMP, hein, de la rejoindre des cyclismes qui est venu chercher la 5ème place, la 4ème place pardon, hier. On le sait, le team LMP aussi qui a une équipe déjà très solide sur ses plages vendéennes, qui attend le renfort d'un nouvel homme qui devrait arriver la semaine prochaine en provenance de Champagne-Ardenne avec l'arrivée de Geoffrey Thévenez de Rackham qu'on surnommait chez Vendée U qui est passé par le Vendée U Pays de Loire, qui est passé aussi par les Sables Vendée Cyclisme, qui est passé par Champagne-Charlotte. D'ailleurs il avait un super maillot, hein, il avait la chance d'avoir un super maillot à Champagne-Charlotte. Il est aussi passé par Top 16. Par Top 16 aussi, ouais. il a fait ses armes aussi là-bas. Et donc qui est de retour dans le département de la Vendée et qui a signé au team LMP, donc une belle recrue pour l'équipe qui va pouvoir avoir un rôle toujours. C'est ça, une personne très fédérateur qui sait mener un groupe et qui a beaucoup d'expérience et qui compte pas ses coups de pédale pour l'équipe, donc ça sera forcément un élément important pour eux pour le reste de la saison, même s'ils ont quand même une équipe, on va dire, assez âgée et qui ont des hommes d'expérience, comme on peut voir avec Théo Menant, avec Clément Orceau. Qui vont apporter leur expérience du plus haut niveau national et qui ont gagné les plus belles courses du calendrier amateur. Donc ça sera forcément pour moi une équipe à suivre tout au long de l'année. C'est toujours valable d'avoir une brute dans son équipe. Exactement. En tout cas, on a compris que vous aviez été marqué, Brian, par le maillot de l'équipe du Team Charlotte. Le maillot du Team Charlotte est un très bon maillot. J'ai découvert avec, il me semble que c'était Julien Duval qui le portait en cyclocross la première fois quand il avait été champion de France à Pontchâteau. Non, c'était Clément Lhôtellerie qui avait gagné à Pontchâteau. Tout à fait. Et c'était Julien Duval, il me semble, qui avait fait deuxième avec ce maillot. Parce que Clément Lhôtellerie était chez Peltrax. Et là, on essaie de ressortir encore une fois. On retrouve encore une fois un coureur de Cholet. Donc à l'offensive, et ça ressort derrière en contre. C'est un coureur de Vendée U cette fois-ci qui va revenir et faire l'effort. Le coureur de Cholet, c'est Thibaut Pomard à l'avant. Donc là on voit bien sur ces routes larges, c'est quand même compliqué de sortir, de faire la différence. C'est Lucas Grolier dans le style qui est en train de rentrer derrière pour le Vendée Pays de Loire. Qui porte d'ailleurs une paire de lunettes qui est créée en Vendée et qui a été créée tout récemment par Florian Boisseau. Paire de lunettes Enicam que portent de nombreux cyclistes d'ailleurs maintenant. Hein, des lunettes qui sont faites à 100% à votre vue au niveau des verres, qui sont faites à Chantonnay aussi en Vendée. Par Florian qui était opticien de métier et qui a créé cette marque, donc Enicam qui fait machine à l'envers. Et qui est porté, comme je disais, par de nombreux cyclistes du peloton. On voit Lucas, on en connaît aussi de nombreux très connus comme Emilien Janière qui a pris d'ailleurs la deuxième place hier sur le Grand Prix d'Aix-en-Provence, première manche, support de la Coupe de France N1. Et on a aussi Dino, Donavan Grondin qui porte maintenant les Enicam et qui lui est au team Arkea Samsic, donc dans le peloton professionnel. Et Lucas Grolli qui était très motivé au départ ce matin de cette dernière manche. Et ça revient, c'est encore Théo Menant, j'ai l'impression qu'il fait l'effort pour le team LMP. Théo, j'ai l'impression qu'il a de la force. Alors, est-ce qu'on essaie peut-être aujourd'hui de travailler pour Clément Orceau, puisque c'est Théo... C'est possible qu'on va travailler pour Clément, il n'a pas gagné encore sur les plages. Et Théo Menant est assuré de remporter le général, peut-être aujourd'hui se mettre au service de ses équipiers. Théo, je ne sais pas ce qu'il a mangé hier soir, mais en tout cas... Il a d'être en forme. Il est en forme. Ah bon, il était motivé hier soir, je ne sais pas qui l'accompagnait. Vous allez peut-être nous éclairer là-dessus, Brian. Je vais pouvoir vous éclairer en fin de course sur le petit moment qu'on a passé avec Théo hier soir. Allez, Laval Cyclisme 53 maintenant aux avant-postes. On a plusieurs formations, hein, qui roulent, Laval, Vendée U, WB Fibolia Morbihan, l'UC Cholet, l'Océan Top 16. On voit les coureurs de Côte d'Armor aussi qui sont bien représentés à l'avant. Donc là ça y est, on arrive dans le bourg de Quex, on va tourner après à droite.
toujours des belles routes assez larges. Donc une fois qu'on va tourner, on va faire deux droite droite, et après à partir de ce moment là on va arriver dans des petites routes. Donc là il faudra être placé, parce que ce sera plus difficile de remonter quand le coup, s'il y a des coups qui vont se faire, ça sera très compliqué de se replacer pour aller rouler ou aller chercher une échappée. Attention dans Quakes, il y a aussi quelques ralentisseurs à passer dans la traversée de Quakes. Ça ralentit les voitures, mais pas beaucoup les vélos quand même. Avant de prendre la direction de Saint-Mexin. Saint-Mexin ou Saint-Mexin ? Saint-Mexin. 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 Oui, Saint-Mexin, Saint-Mexin. Le petit accent. Voilà. Cholet, on a déjà eu le débat en direct durant la semaine. On tranchera. Et on voit Côte d'Armor, Marie Morin-U, qui prend les commandes du peloton avec un Sojasen dans la roue et un coureur du VCPI de Loudéac, j'ai l'impression. Ouais, Loudéac qui n'a pas encore connu le succès sur ce circuit des plages vendéennes. Une traversée de Coex qui est très très rapide. Là, ils vont prendre à gauche. Oh là, et... attention, on a pas de faire des erreurs. Voilà, chute. Ouais, il y a eu une chute à l'avant du peloton, un coureur de Loudéac. Troisième position, on l'avait dit, ce bourg de Coex est compliqué à gérer. Et devant, chez Soja, on relance. On relance un faux plat, là, c'est un peu en prise. C'est Emmanuel Dubois, il me semble. Le coureur de Soja, on avait déjà vu le premier coureur à prendre ce virage. C'était un Côte d'Armor Marie Morin-U qui avait failli faire un tout droit. Et derrière, tout aussi de trajectoire. On a serré les freins un peu trop fort. Et ça a désorganisé le peloton. C'est Kylian Briand, j'ai l'impression. Et un coureur de Côte d'Armor, effectivement. Non, c'est Antonin Héron qui a été pris dans cette chute pour la formation Côte d'Armor Marie Morin-U. Avec ce virage qui est piégeux, on a vu à l'avant du peloton qui effectivement a failli ou puis louper son virage. Et derrière, ça a désorganisé ce peloton. Il y a des petites cassures du coup. Au moins une cassure, mais ça devrait rentrer. C'est le genre de gamelle dont on se passerait. C'est ça. Quand on est coureur. Exactement. Un petit manque d'inattention et on part tout de suite à la faute. C'est dommage. Donc là, on peut voir, ça a vraiment étiré le peloton. Cette relance, et là on est en train de voir, ça fait mal. Là on est en prise, maintenant ça y est. On cherche à durcir aussi. Hein. Exactement. Ça s'organise quand même. On voit qu'il y a un petit écart. Ah, problème mécanique. Pour un coureur de Valtet. Ouais, pour un coureur du Vélosport Valtet, il y a un souci mécanique. J'ai. Le 100... 82, il me semble. Alors Valtet, ils sont 150 à 157 au niveau du numéro de dossard. Ah, oui. On n'est pas bon. C'était pas Valentin Ménard ou Cyril Patouchard. Devant sa ferraille, j'ai l'impression que c'est le grand Corvaisier qui est en train d'appuyer. Relayé par un coureur de Côte d'Armor. Ouais, mais ça s'est rentré en tout cas derrière au niveau de la cassure qu'on avait. Tous les coureurs sont en train de rentrer dans ce peloton. On a dit non. Non, c'est Fibolia. Fibolia Morbihan. Loudéac juste derrière. L'équipe soutenue par Warren Barguil. Ouais. Personne. Pour cela qu'elle s'appelle la WB Fibolia Morbihan. On a vu une autre équipe aussi supportée par Warren ce matin dans le peloton féminin avec l'Anester WB, donc pour Women Bretagne Sud aussi, mais avec le logo de Warren Barguil puisqu'il soutient l'équipe en leur mettant à disposition un parc de vélos, donc pour l'ensemble des filles qui font partie de cette équipe de l'Anester et qui aussi les soutient personnellement. Et c'est Mathieu Loise ou encore qui a fait l'effort pour le team LMP, la rejoint des cyclismes ou des Romian. Et des Romian, autant pour moi. Chaussures rouges comme ça. Alors, on voit les coureurs de Bretagne Sud, ils sont portés également aux avant-postes. Pour l'instant, on n'a pas encore d'échappé de formé. On voit le maillot des sables aussi. Hein. Les sables vendés cyclismes là à l'avant. Avec un changement au départ ce matin du côté des sables, puisque Enzo Chaillot a été remplacé au départ par Erwan Morin. Et cette année, dans le peloton, on aime le rose. On voit des maillots roses un peu partout. On a le blanc aussi. Équipe, hein. Bretagne Sud, le blanc aussi. Ouais. On voit Dinan, on voit Fibolia, on voit Vendée U. Le rose, le blanc. Alors, le noir également, hein, puisqu'on a Avranches, Périgueux, Océane qui portent des maillots noirs. Mais c'est vrai que les maillots roses, ils se ressemblent quand même pas mal. On a du mal à les différencier dans le peloton. Et on a un coureur de Dinan qui tente de s'échapper, pris en chasse par un coureur de Bretagne Sud. Et là, c'est le numéro 156. Et du coup, c'était Clément Tesser qui a été victime d'un problème mécanique à l'arrière, le coureur du Vélosport Valtet.
sais pas s'il a mis du sirop dans ses bidons. Filtré? Non, la marque Tesser. Oui, mais justement. Il va aller demander du sirop qu'on... à la voiture à Camille Coilant. Je pense qu'on va lui isoler juste ce passage et lui envoyer. Ouais. Je pense qu'on lui a déjà fait la vanne. Oh là oui. Donc devant là, c'est Rideau. Ouais, regroupement général. Du... Alors par contre, je ne sais pas quel coureur de l'Oudat qui était pris dans la chute tout à l'heure dans la traversée de Quex. Kylian Briand pour Côte d'Armor, mais le Loudéac, j'ai pas plus d'infos. Et on voit Théo. C'était Antonin Héro. Ça relance en route. Ouais, sur la gauche de la route. Pour Côte d'Armor. Coureur de Laval. Suivi tout de suite par le Vendée U. Coureur de Laval. Et... et pour Laval, j'ai bien l'impression que c'est Victor Boal, le coureur qui était. Benjamin Marais, pas très drôle à LCR dans. Dans le direct, j'essaierai d'en faire une meilleure, Benji. Des coureurs qui sont en difficulté à l'arrière de ce peloton maintenant, et on tente de ressortir du côté de Sojasson. Encore un Vendée U dans la roue, Laval Cyclisme 53 également. Et là, on en met. Pour sortir, faut lâcher du watt quand même. Et on voit tout le temps, c'est bis repetita, dès qu'il y a un Soja, il y a un Vendée U, il y a un Laval, il y a un Côte d'Armor. Et c'est ça quasiment à chaque coup. C'est ça, de toute façon on peut pas les laisser partir car on s'est levé après, faut rouler. Et regardez c'est... derrière qui on a là. De coupe Simon, c'est Julien Lamy, le vétéran du peloton, 47 ans. Ouais, Julien Lamy de distance, il était retardé hein, dans la chute tout à l'heure. C'est possible. Mais pourtant Julien Lamy c'était pas. Et pourtant on l'a vu plutôt en forme durant cette semaine. Hein. On l'a vu très en forme, notamment à Sainte-Flève-des-Loups jeudi dernier. D'ailleurs j'étais étonné de le voir à l'avant autant de fois, puisque c'est pas le genre de garçon qui frotte en tout cas très fort ou en tout, de moins en moins. Il a plus l'habitude vraiment des gros coups de force. Et là on l'a vu souvent à l'avant du peloton à gérer les coups. Et d'ailleurs c'était les deux derniers rescapés avec Stéphane Bennett hein, jeudi dernier avant de se faire reprendre à la flamme rouge à Sainte-Flève-des-Loups. Alors, il y a un coureur aussi qu'il faudra peut-être surveiller dans ce peloton. Il a bien reconnu le parcours ce matin. C'est Enzo Boulet de la formation Côte d'Armor Marais Morin U, le vainqueur de l'étape de Sainte-Flève-des-Loups. Il y a une très très belle pointe de vitesse. Oui, il est allé très vite. C'était jeudi aussi à Sainte-Flève. Oui, il est venu chercher une victoire pour la petite histoire 30 ans après son père, Michael Boulet, qui avait remporté le circuit des plages vendéennes et le classement général en 1992. Ouais, j'étais surpris quand même de voir Enzo aller si bien, si vite en tout cas en début d'année, lui qui sort des rangs juniors. Il avait certes confirmé sa très belle pointe de vitesse chez les jeunes et en faisant une très grosse fin de saison puisqu'il avait remporté en junior 2 il me semble, hein, donc en fin d'année dernière la flèche pédranaise. Mais confirmer chez les élites c'est jamais simple, encore moins en tout début de saison comme ça sur les plages avec un beau plateau de sprinter quand même. C'est des courses où ça frotte, on a des finales de course qui sont très tendues, on est sujet à avoir pas mal de gamelles et il a réussi à très bien s'en tirer et d'ailleurs il s'impose sans photo finish. C'est ça, et c'est vraiment, c'est pas simple de s'acclimater, de passer des rangs juniors à espoir et quand on peut gagner et tout de suite à la rentrée des classes en début de saison, c'est beau et on voit qu'il a des capacités pour faire une très belle saison et une belle évolution pour lui, pour son futur. Et regardez qui s'est cormetté, encore le père Menant. Ouais, il paraît vraiment très fort Théo Menant. Et là on a 5 coureurs qui sont en train de s'extirper, 6 coureurs. Et là Rideau, on a Adrien Garrel, on a Corvez aussi, Antonin Corvezier pour le Vendée U. J'ai l'impression qu'on a Thibaut Pomard pour Cholet et on a 3 Soja là encore hein, qui se sont isolés. Oui, exactement. Et derrière j'ai bien l'impression que c'est Rideau. Ça ne monte plus du tout hein, en tête de peloton. J'ai l'impression qu'on tente de relancer derrière avec WP Fiboli à Morbihan. Ouais, là on a j'ai l'impression Adrien Gaël qui demande le relais. Que pour Soja on a le petit Jamin aussi là qui est en troisième position. Ouais, c'est Léopold qui est là qui va passer son relais. Le Côte d'Armor, j'arrive pas à l'identifier encore, mais il me semble que c'est Maxime Rio de visu comme ça. On a Théo Menant et le troisième Soja c'est un barbu pour, ouais, Côte c'est Maxime d'Armor. Rio, pour Côte d'Armor et le troisième Soja, je dirais bien c'est soit le Piouf soit Joie-Jean. Attends, le Piouf on l'avait déjà vu à l'avant hein, cette semaine on c'est a effectivement Dubois, bien Adrien Garrel.
Et c'est, il me semble que c'est le Piouf. Grand gap 37. Non, c'est Jouan Jean. C'est Jouan Jean. Les Lions jouent à Jean qui est sorti. Côté Côte d'Armor, c'est Maxime Rio apparemment. C'est ouais, ça, ils s'organisent tout de suite. Ça y est. Et ils ont pris une dizaine de secondes d'avance à l'instant sur le peloton. Il y en a encore Théo hein, qui joue offensif. Il est leader. Il pourrait se permettre d'attendre le sprint au vu de sa pointe de vitesse. Hier, il me confie avoir eu de la force hein, sur le chrono. Et ben là, il en remet encore. Hein. On arrive dans la traversée de Saint-Mexan. On va faire un droit de gauche pour retourner sur Comquier pour récupérer la ligne d'arrivée. Je t'ai vu aussi, Simon, discuter avec Adrien Garel avant le départ. C'est ça. Il me disait comme quoi il était en forme. Et c'est sur un homme aussi on va compter pour l'arrivée. On sait qu'il a une pointe de vitesse. C'est un coureur d'expérience qui est passé par le rang de chez les professionnels. Donc c'est un homme fort et... Va falloir compter sur lui pour une type de course comme aujourd'hui où ça va être une course de mouvement pas très dure mais qui va être usant. Il y a du vent mais le vent n'aura pas forcément d'importance au vu du circuit qui est assez abrité donc ça sera pas et le vent jouera pas non plus comme on a pu voir le dimanche dernier sur les plages qui avait un rôle essentiel. Aujourd'hui le vent il aura moins un rôle au niveau de la course. Alors, le grand pote de Corentin Hermenot d'ailleurs. Et messieurs, on a donc la composition de ce groupe complète à l'instant donnée par Radio Tour. On retrouve là bien les biens Antonin Corvézier pour la formation Vendée U, Maxime Rio pour Côte d'Armor, Marie Morin U. Trois coureurs donc de Sojasun avec Adrien Garel, avec Léopold Jamin et avec Lilian Joajan. Également présent dans ce groupe, Thibaut Pomard de l'UC Cholet 49. On retrouve Théo Menant pour le team LNP La Roche Vendée Cyclisme. Ils sont 7 coureurs donc présents dans le groupe de tête. Et apparemment, l'écart qui est en train de diminuer. Très forte réaction du peloton à l'instant. On est à 7 secondes. Voilà, derrière, je pense que c'est l'Oudéac qui doit rouler. Ou WB Fibolien Morbihan. Mais. Même Laval hein, doit s'employer directement, c'est pas à prendre à la légère une échappée comme ça où il y a trois soja. C'est ça. Le Vendée U, en général, Antonin Corvézier, je suis surpris. Pour l'instant, pour le bon déroulement, le bon fonctionnement de l'échappée, il passe Serlet. Une fois que l'échappée va avoir pris un peu de champ, je pense qu'Antonin va peut-être filocher pour redistribuer les cartes d'armes. Malheureusement, au Vendée U, on a besoin de monde et on a besoin d'être en surnombre. On va pas dire des quotas à respecter, mais c'est toujours 2 pour 6, surtout sur les plages vendéennes, la course à la maison, où on a besoin d'être en surnombre et c'est ce qui fait notre force. Donc le Vendée U, ouais, à mon avis, si l'échappée prend un peu de champ, malheureusement pour l'échappée, il aura certainement sauté quelques relais, même si c'est dommage, mais c'est comme ça. Et le groupe d'échappée qui est à l'entrée de Comtier dans quelques instants, la fin du premier tour de circuit. L'écart pour l'instant est toujours 7 à 8 secondes. On a vu les coureurs de Laval qui emmenaient le peloton, vous l'avez dit. En tout cas là, l'écart remonte légèrement, 13 secondes. Là on n'a pas les plus feignants à l'avant, on n'a pas un Ramier. Et dans quelques instants, il devrait passer la flamme rouge, la voici. Ils viennent d'y passer, donc dans 1 km, premier passage sur la ligne d'arrivée pour la tête de course. 13 secondes, le peloton emmené par deux formations notamment, Laval Cyclisme 53 et le Vélo Club Pays de l'Oudéac. Théo Menant, là, qui emmène le groupe avec Antonin Corvézier à ses côtés. C'est ça, ils vont avoir le temps de repérer l'arrivée quand même. Ils auront quand même plusieurs passages sur la ligne, donc ce qui va permettre de connaître parfaitement le dernier kilomètre, qui n'est pas vraiment sinueux, mais il y a quelques dodanes proches de l'arrivée, donc il faudra quand même se méfier et anticiper. Et on va avoir du vert et du jaune leur tourner autour des oreilles quand même avec 3 sojas sur 7 hommes en tête, ils sont 7. Tout à fait. 3 sur 7, c'est Soja qui fait la bonne pioche pour l'instant. C'est ça. Mais qui risque en creusant l'écart de se mettre des coureurs à dos. Et pour information, Clément Tesser, le coureur du Vélosport Valtet, qui était distancé sur problème mécanique, a réintégré le peloton. Avec un peu de sirop. Décidément. J'en rajoute. Ah, chute. Attention, c'est tombé. Et apparemment, on annonce une chute dans le peloton, encore une fois, dans la traversée de Comtier. Le peloton qui passe avec un retard de 15 secondes. Apparemment, tous les coureurs se relèvent suite à cette chute. Un coureur de l'Oudéac qui sera à terre.
Ouais, plus... ouais, on a vu la chute. Il y a, alors, elle a dû intervenir l'arrière du peloton. On avait plusieurs titres qui ont été touchés. Hein, l'Oudéac, les Sables, Valette, Douai. Apparemment, tout le monde est reparti avec des problèmes mécaniques pour certains. On a vu un coureur de Team Club 17, Côte d'Armor également, qui ont été impliqués dans cette chute. Et donc, les cartes se stabilisent actuellement, toujours une quinzaine de secondes entre la tête de course et le peloton. Donc, ça montre bien qu'il faudra se méfier quand même si c'est une arrivée massive. Là, on était dans le dernier kilomètre, il y a eu une chute, donc il faudra quand même faire attention pour en cas d'arrivée. C'est vrai que les plages, c'est toujours nerveux. C'est la course, on l'appelle de reprise, mais on disait tout à l'heure que tout le monde était préparé. Et dans le peloton, ça fait souvent machine à laver. Donc ça monte sur les côtés, ça redescend au milieu. Et il y a des fois où voilà, on s'accroche, soit on touche un guidon, on vient toucher au niveau des cocottes, on touche une roue. Et à 50 à l'heure, forcément, ça... Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Donc on se retrouve vite avec une petite dizaine d'hommes à terre. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosse casse, mais il y a des fois où ça peut être plus dommage. Non, apparemment, d'après Radio Tour, tout le monde est reparti. Par contre, c'est Simon Bourmeau qui a un problème mécanique, le cours des sables, qui a été pris dans la chute et qui appelle désespérément sa voiture à l'arrière du peloton. Et forcément, eh bien, cette chute est venue désorganiser le peloton et ça favorise... les hommes de tête, puisque l'écart vient de monter désormais, messieurs, à une trentaine de secondes. 30 secondes désormais d'avance pour les 7 hommes de tête. Ça commence à être intéressant. Devant, ils s'entendent toujours très bien. Tout le monde passe son bout de relais, ce qui permet à l'échappée d'accroître son avance. Donc, c'est très bien. Et donc, nous avons sur les internautes... Benjamin Marrette, il demande ce que veut dire Ramier. Alors, Brian, qu'est-ce que ça veut dire Ramier? Bon, Ramier, c'est un mec qui va être dans l'échappée et qui va soit plus vouloir tourner, soit parce qu'il a l'habitude de pas tourner et qu'il aime pas collaborer devant et qui va jouer sa carte dans les derniers hectomètres dans un final ou autre, ou finalement un Ramier, ça peut être conditionné à quelqu'un qui va être esselé et va pas vouloir collaborer avec par exemple les trois Sojasen. Je vais pas dire que Corvez est un Ramier, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, mesdames et messieurs, on rappelle que les coureurs ont effectué leur premier tour de circuit. Il reste un peu plus de 120 km maintenant à parcourir sur cette dernière manche du circuit des plages vendéennes. 7 coureurs en tête. L'écart diminue légèrement, une vingtaine de secondes désormais entre les 7 hommes de tête et le peloton. Avec dans cette échappée une surreprésentation de Sojasen avec 3 coureurs sur 7. On le disait tout à l'heure... La course devrait être usante. Aujourd'hui, on a 147 km, donc on a 15 à 20 km de plus que sur les autres étapes. Alors, vous allez dire que c'est rien, sauf qu'on arrive au sixième jour de course, même s'il y a eu quelques jours de repos entre. Hier, on a eu un chrono par équipe qui a peut-être affaibli certains organismes. En tout cas, il y avait certains coureurs qui n'ont pas l'habitude de travailler cet exercice et qui ont peut-être laissé des cartouches hier. Donc on risque d'avoir un final qui va se faire à la moelle. C'est ouais. Ça, c'est là. Faut pas oublier non plus que c'est quand même une course de reprise. Et donc il y a les organismes qui sont pas encore habitués à enchaîner les jours de course. Donc aujourd'hui, il va peut-être y avoir des 10-15 km de plus. Il y aura peut-être quelques petites défaillances ou des hommes qui étaient en forme. Et ils vont peut-être le payer dans le final. Donc ça sera à prendre en compte, ces 10 km de 15 km de plus que les autres jours. Et apparemment, ça ressort en tête de peloton. On voit l'écart qui diminue encore, 15 secondes désormais. Voilà, c'est un bras de fer hein, entre l'échappée et le peloton. Mais on voit quand même que Adrien Guerre, il a l'expérience. Il n'a pas attendu de regarder derrière si ça prenait la roue ou pas. Il l'a pris directement pour le bon fonctionnement de l'échappée. Mais ça collabore bien pour l'instant. Tant qu'on ne prend pas de champ, je pense que tous les coureurs vont collaborer et ont intérêt à le faire dans ce sens-là. Puisque derrière, en étant représenté, c'est pas... C'est pas leurs équipiers qui vont rouler dans le peloton, donc c'est pas super dangereux d'avoir une échappée comme celle-ci à 30 secondes, en tout cas pour les garçons qui collaborent devant. On a vu Antonin Corvézi hein, qui fait aussi un gros travail en tête, le coureur de Vendée U, qui a déjà connu le podium cette saison, deuxième des boucles de l'essor, derrière un certain Romain Feuillu. Corvez, on l'a vu à son aise sur de nombreux chronos. C'est peut-être la bête à rouler du Vendée U, il l'a prouvé encore hier sur le chrono par équipe. C'est lui avec
le petit Marais qui menait, en tout cas qui avait le plus d'expérience dans le chrono et qui ont beaucoup apporté à cette formation, qui est venu hier presque faire 50 de moyenne sur le chrono du Poire et Survie, et qui en plus a fait coup double, qui se permet d'aller gagner sur le Grand Prix d'Aix en faisant 1 et 2 avec Antoine Devanne et Emilien Janière, et avec un très très gros numéro du petit 2 Chavannes à Aix-en-Provence. C'est vrai que de gagner le Vendu, gagner la reprise sur la Coupe de France, et faut pas louper ce rendez-vous, c'est le premier rendez-vous, on va dire, important de la saison, donc c'est très une bonne augure pour l'équipe vendéenne pour la suite de la saison, et ce qui est un fil rouge de tout au long de l'année, ce rendez-vous de Coupe de France. Donc là ils sont leaders aussi par équipe, donc ce qui est avec pas mal de points d'avance, donc c'est super. Ouais, je lisais une interview de Morgan hier soir et même ce matin sur Direct Vélo, et il évoquait le fait de la très très bonne forme de l'équipe Vendée U qui est aussi représentative de ce qui se passe à l'échelon supérieur chez Total Energy, avec une très très bonne dynamique en ce début de saison. Donc la dynamique est globale, il faut la garder, et c'est vrai que ça a tendance à impressionner. Hier, quand je lisais les propos d'Émile Brenant de Bourg-en-Bresse, Antoine Devanne en faisant toute la course devant, en étant dans l'échappée et en faisant les 30 km tout seul, et ben il a écœuré son monde. Hein, et en tout cas, tous les gars qui étaient devant, même Costiou, Ewan Costiou de Côte d'Armor, qui tient une super forme. On l'a vu sur les plages vendéennes, deuxième, troisième acteur, il s'est fait avoir par Thomas Bonnet. Mais il pouvait rien faire de plus. Et là, on voit une relance. Ouais, ça tente de ressortir du côté de Vendée U. C'est ça, l'échappée non plus les intéresse pas tant que ça. Il faut y relance pour avoir du surnombre devant. Ça leur plaît pas non plus cette échappée. Et apparemment, il y a beaucoup de coureurs derrière dans les voitures suite à la chute qui est intervenue, donc à la sortie de Cometier. Pour l'instant, les tiers semblent rester relativement stables. Toujours une quinzaine de secondes entre les 7 hommes de tête et le peloton. On vous rappelle la composition de ce groupe. Ouais, attention, voiture arrêtée sur le bas-côté. Donc le groupe d'échappée de 7 coureurs avec un représentant de Vendée, on a personne de Antonin Corvezier. Un coureur également pour Côte d'Armor, Marie Morin-U, avec Maxime Rayot. Ils sont 3 pour ce Jason Espoir. On retrouve là Adrien Garel, Léopold Jamin, ainsi que Lilian Jouajan. On retrouve également un coureur de l'UC Cholet 49 avec Thibaut Pomard. Et puis enfin, un coureur du team LMP, la Roche Vendée Cyclisme, mais pas des moindres, puisque c'est le leader du classement général de ce circuit des plages vendéennes, Théo Menant, vainqueur de la première manche le week-end dernier du côté de Chalons. On voit le VCU Schwenheim devant qui est en train de rouler avec Laval. Ouais, on voit aussi des Belges de Minidis Car Cycling Team qu'on n'a pas forcément trop vu à l'avant et qui tente maintenant de rouler. On a aperçu dans les voitures là pour c'était Valentin Gillot pour le Vélo Club Pays de Loudéac. On voit un coureur de Morlaix aussi, le numéro 173. C'est Gauthier Hervaux, ouais, distancé. Le mystérien de cette équipe de Morlaix. Il y a un cours de Saint top 16 aussi, qui était dans les voitures. Et on voit que ça ferraille un peu quand même, parce que derrière, ça n'a pas l'air de faire rigoler. Bon, ils s'entendent toujours bien devant, on peut voir que la collaboration est bonne. Tout le monde passe son bout de relais, tout le monde veut que ces échappés quand même prennent un peu d'avance. Et on a des copains là-dedans, hein, puisqu'ils se connaissent très très bien. Je pense à Antonin Corvez et Théo Menant, qui couraient ensemble dans la même équipe, puisque Théo était au Vendée Pays de Loire encore l'an dernier. Donc ils se connaissent très bien, ils savent comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre, ils peuvent jouer aussi sur les qualités des uns des autres, et on a toujours les 3 Sojasun qui vont faire figure un peu d'épouvantail dans cette échappée, mais pour l'instant l'idée c'est de creuser, de collaborer ensemble, donc on voit que chacun passe ses relais et il n'y a pas de feignant. Tom Corvezier qui est un excellent rouleur, un homme des classiques, on se souvient que dans les rangs juniors il avait été chercher le podium sur Bruxelles-Kurne et sur le Tour des Flandres. Adrien Garel aussi qui avait été champion d'Europe du scratch il me semble chez les élites sur piste. Oui, Adrien Garel qui l'an passé a remporté le Grand Prix de Saint-Hilaire du Harcouët, qui est allé chercher le podium sur la Vienne classique. Là ça va rentrer du côté de Côte d'Armor, Marie Morin U. Saint-Hilaire c'est l'ouverture en plus en Normandie il me semble. Oui, tout à fait. Adrien Garel il me semble qu'il découvre ces plages vendéennes et qu'il les avait jamais faites avant. Puisqu'il allait soit en Normandie ou quand il a été à Nogent. Tout à fait. Il reprenait dans le sud généralement. Isère-Crevard, il est au Var. Exactement.
Et on allait en montant de stage, il s'arrêtait. Il s'arrêtait là-bas. On allait au Paul Jamin aussi hein, pour Sojasson qui avait brillé sur le tour 4B Sud Charente. Il avait été chercher une troisième place derrière un certain Thomas Bonnet et Aurélien Costeplan. Ah, le petit Jamin aussi, ça va très très bien en chrono. C'est un adepte des chronos et il se débrouille très très bien dans l'effort solitaire. Oui, il avait remporté le Grand Prix de Plouay dans les rangs juniors. Puis on a également Lyon Joajan qui a plutôt brillé sur la ronde finistérienne du côté de Landerneau. Lyon Joajan qui n'a pas forcément connu de victoire significative mais qui est toujours très bien placé. On est passé nous ce matin du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a vu le magasin Bernardeau Cycle, là où était située l'arrivée de la classique Bernardeau Cycle. Ouais, les magasins Bernardeau Cycle qui sont omniprésents en Vendée, pour pas dire sur quasiment la totalité de la couverture du département, et qui offrent un service que ce soit au niveau de l'atelier ou même de la vente pour de nombreux vélos. Et on pense au passage à Samuel Thibault. Le petit Samu qui travaille, qui est vendeur pour les magasins Bernardeau Cycle, qui a aussi été coureur au Vendée U Pays de la Loire. Il a été d'ailleurs vice-champion du monde de scratch chez les juniors. Troisième ou deuxième? J'ai un doute, il m'en voudra pas. Il a une breloque, c'est sûr. Deuxième, il me semble, Samuel. Confirmé, mais je suis sûr qu'il peut nous le confirmer s'il écoute Samuel. Et si on veut une petite anecdote sur Samuel, Samuel il allait très vite au sprint et la dernière fois qu'on a fait du vélo ensemble, on a fait 30 km et il est revenu en slip. Donc ce qu'on appelle en slip, c'est qu'il avançait vraiment, vraiment plus très vite. C'est-à-dire qu'on devait le pousser pour entrer les 15 derniers kilomètres. Et il se rappellera bien de la route entre Némi et La Roche-sur-Yon, donc non loin d'ici. Et il a vécu un chemin de croix vers Compostelle. Et pour l'instant, messieurs, on n'a pas de nouvelles indications en ce qui concerne l'écart entre le groupe d'échappés et le peloton. Donc ça y est, on arrive à Couex. On a fini avec les grands bouts droits, faux plat montant, faux plat descendant. Il y en a un encore qui va nous faire un tout droit. Alors pas attention, hein, attention à ce virage. Et là, donc les coureurs qui arrivent à Couex. On rappelle que lorsqu'ils sont passés sur la ligne, il leur restait 126 km à faire. Il n'y en a pas d'infos là concernant les écarts. Là on a le peloton, le contre, le peloton est juste derrière. Il n'y a même pas 10 secondes. C'est un bras de fer pour l'instant encore. Maintenant la traversée du Bourg va être propice aux échappés. La traversée du Bourg là va être propice aux 7 hommes de tête puisque le peloton derrière en file indienne va devoir s'organiser un peu différemment. On peut mettre un coup de burin en tête de peloton, mais on risque de voir se détacher une 15-20 d'hommes. Et attention au virage, on l'a vu au premier tour avec une chute qui était survenue dans les premières positions du peloton. Heureusement, apparemment sans gravité. Mais bon, maintenant ils n'ont plus d'excuses, ils connaissent le parcours, ils n'ont pas le droit de faire la même erreur normalement dans ce même virage. Donc va falloir être vigilant et être aux avant-postes parce que s'il y a un coup de 15-20 qui ressort, si on n'est pas à l'avant-garde du peloton, malheureusement on loupera encore un coup et... ce qui peut être pénalisé l'équipe. Et apparemment Adrien Garrel à la relance. Non. Si c'est Adrien Garrel. Et apparemment les coureurs qui ont été impliqués dans la chute tout à l'heure du côté de Comtier ne sont toujours pas revenus dans le peloton, ils sont toujours dans la file des voitures derrière, ça roule très fort actuellement en tête de peloton, on l'a dit, hein, l'écart est à peine d'une dizaine de secondes. De toute façon les formations qui roulent derrière vont pas lâcher le morceau hein, avant de revenir ou alors de revoir un contre s'échapper du peloton, mais en attendant on va continuer d'avoir un bras de fer là entre ces hommes de tête et le reste du groupe. Et j'ai l'impression qu'on a perdu un coureur, non? Il y a un coureur un coureur qui ressort. Non, on a perdu personne, par contre j'ai cru apercevoir un coureur au loin. Ah, peut-être un coureur qui est parti en contre derrière, là ils seront normalement 7, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont bien là, les 7. Ils sont bien là et ça collabore toujours. Hein. C'est peut-être sorti derrière, on va peut-être le voir là dans la descente derrière.
Et ils ont recreusé, hein, ce qu'on disait dans le bourg. Forcément, le passage du bourg est plus propice à des échappées. Et par contre, je suis surpris aussi de voir le petit Thibaut Pomard, hein, qui est du licencié. Donc, dans la N2 de Cholet, bah, il m'a l'air à l'aise. Hein. Je l'ai vu sauter aucun relais pour l'instant. Il est certes à l'œuvre, mais il n'est pas feignant. Hein. C'est ça, qui vient aussi qui fait énormément de cyclocross l'hiver. Ouais. Donc, ça, il me semble qu'il s'occupe. C'est ça. Il est mécanicien et il a été aussi sélectionneur au niveau de la région, Pays de la Loire, qui s'occupait de nous, des jeunes, des cadets. Donc, très important d'avoir des gens comme ça qui s'occupent des jeunes, qui nous encadrent, des bénévoles. Exactement. Thibaut Pomard qui est un jeune coureur, hein, 19 ans seulement, et qui est allé chercher de belles places, notamment sur les boucles Loire-Lucé-Bercé l'an dernier. Et vous avez raison, je crois que du côté du peloton, on tente de sortir encore une fois pour essayer de revenir sur la tête de course. J'ai l'impression que c'est Maxime Rio là, qui tient un peu plus la langue et qui accuse un peu plus le coup des relais, mais qui continue de collaborer. On avait Théo Monant qui roulait bien également en tête de ce groupe. Là, on roule fort, ça roule vite. Pareil, Corvez, il retombe directement dans les roues. Théo Monant, qui, on le rappelle, n'a rien à perdre aujourd'hui. Hein. Mathématiquement, c'est un classement par points, ce circuit des plages vendéennes. Et bien, en termes de points, il ne peut plus être rattrapé. Donc, il sera sur le podium ce soir en tant que vainqueur du classement général. Peut-être un coureur qui est en train de rentrer à l'arrière. La caméra à l'arrière du peloton, avec le coureur de Périgueux-Dordogne de Schwenheim. Ou encore du Vélo Club Lucéen. Et on va marquer une petite page de publicité. Et on a effectivement un petit groupe de contre. On est de retour en direct, un petit groupe de contre qui s'est formé à l'arrière. On a un représentant du team Pays de Dinan. Un Valette également. C'est Cyril Patou qui est là pour Valette. Le coureur de Lucie Briochine Bleu Mercure, c'est Kevin Boyer. Et puis du côté de Dinan, eh bien on retrouve Benjamin Grella. Kevin Boyer, c'est un coureur qui va très vite, qui portait avant le maillot de Dijon. Il me semble qu'il est originaire de La Réunion, Kevin, mais en tout cas c'est vraiment sprinter pure souche. Hein. C'est un garçon qui va très vite au sprint. Je sais pas comment il est arrivé dans le club briochin. Peut-être qu'il réside maintenant en Bretagne, mais en tout cas avant il était du côté licencié du côté de Dijon. Et nous avons donc maintenant 7 coureurs en tête, 3 coureurs en contre et le peloton ensuite. On n'a pas d'éléments qui concernent les écarts, mais derrière ça rentre au niveau du peloton. C'est ça, et ce qui est très important, c'est qu'il y a une échappée qui se crée, mais le plus important, c'est qu'il ne faut vraiment pas louper le contre, parce que 3 plus 3 plus 3, au final, ça va former une grosse échappée. Donc là, si on peut prendre la course à l'envers, il faut impérativement pas être en retard et sauter sur ces coups-là qui ressortent derrière, qui peuvent être très très intéressants. Et on peut voir derrière le Vendée-U, que quand même à l'affût, pour toujours avoir des hommes être en surnombre devant. Donc c'est bien, ils sont toujours aux avant-postes. Et c'est Cholet aussi, hein, qui est aux avant-postes. Cholet aujourd'hui, ils sont bien présents. Bretagne Sud Cyclisme également, on voit les coureurs aussi de Océane Top 16 et de WB Fibolia Morbihan en tête de ce peloton. Et le groupe de contre qui a été repris. Axel Taillandier sur la gauche avec dans sa roue Nathan Ruo. Pour WB Fibolia Morbihan, un coureur qui est originaire et qui est de la Loire-Atlantique, donc un Ligérien originaire d'Anceny. Et qui vient donc en voisin sur les routes de Vendée. Et qui appartient à une formation morbihanaise. Donc là on voit bien, ça a du mal à s'organiser quand même derrière. Personne veut trop rouler, tout le monde veut être devant, mais sans mettre trop de cartouches. Donc là on voit, ça relance. Ici avec top 16 et c'est pas évident. Une fois que l'échappée part, on prend 30 secondes, après derrière faut boucher ce trou et
c'est assez compliqué, on voit bien, ça se désorganise, les routes sont pas très larges, donc ça a du mal à remonter aussi de derrière. Le grand Loiseau, là aussi en protection derrière, qui est à la fin pour choper les coups. Et forcément, il y a des équipes qui ne vont pas rouler, en tout cas dans les grosses formations qui pourraient rouler. Avant DU, il y a quand même un homme à l'avance, en Jason, ils en ont trois. Je suis étonné de ne pas voir des formations comme Loudéac, la barre ou même des formations comme Laval. Bon, Laval, on sait qu'ils sont un peu moins... Non, ils sont 7 encore au départ aujourd'hui. Ils ont une très belle carte au sprint avec Damien Ridel. WB Fibolia Morbihan ont laissé moins nombreux. Ils ont pris le départ aujourd'hui à 5 coureurs. Après, l'écart reste quand même autour d'une vingtaine, trentaine de secondes. Il y a encore plus de centimètres à parcourir. Bien sûr, mais quand on a 3 Sojasen devant, des fois, il vaut mieux rouler pour boucher ces 15 secondes le plus rapidement possible et rebattre les cartes, plutôt que de relouper un contre, ou en tout cas de remettre qu'un homme sur 6 dans le contre qui va suivre. C'est ça, et les équipes et les hommes en forme ont tous quand même un homme devant. On peut voir La Roche-sur-Yon, LMP La Roche-sur-Yon, on peut voir aussi le Vendée qui est représenté. Donc qui c'est qui va vraiment s'organiser? On a aussi Adrien Guérel devant pour Sojasson. Donc devant, c'est des équipes et des formations assez... des belles équipes. On peut admirer le beau ciel bleu vendéen. Beau ciel bleu, beau ciel gris. Plutôt ciel gris aujourd'hui. Et on voit que le peloton est sur l'écran. Avec Valette. Et donc on a toujours nos 7 hommes de tête et on a vu que le peloton avait vraiment en ligne de mire l'échappée. Antoine Corvazier, petit roulette, il passe le relais à Théo Menant. Par contre, on lâche de la gomme quand même devant pour creuser l'écart. Ça fait déjà plus de 20 bornes qui sont devant. Et ce bras de fer va leur coûter certes des cartouches, mais bon, on a un coup d'avance. On a aperçu Tom Porsmus, le coureur donc du Miniscar Cycling Team à l'arrière du peloton. Coureur belge. Et là, c'est bien. On a Thibaut Pomard, on voit bien, il est seulement espoir 1, mais il pense, il a déjà le métier, il pense à s'alimenter, il est dans l'échappée, mais il en fait pas trop, il pense quand même à s'alimenter pour pas perdre trop de force. C'est important, on l'a vu, comme tu dis Simon, faire au métier, il a sauté un relais, il a pris le temps d'ouvrir sa barre et de mâchouiller tranquillement à l'arrière sans se presser, donc c'est comme tu le disais, c'est important de s'alimenter tout au long de la course et on parle pas seulement des bidons, on parle de mettre la main à la poche aussi. C'est ça, c'est très important, surtout si les coureurs ont enchaîné plusieurs jours de course à suivre. L'organisme, il a besoin d'énergie, il faut s'alimenter, c'est primordial si on veut pas avoir un petit coup de bambou comme dirait l'autre dans le final. C'est clair, et petit geste de propreté, on l'a vu à l'écran. On l'a vu aussi Thibaut remettre la main à la poche pour remettre ses papiers de barre dans son maillot et il ne les a pas jetés par terre. C'est ça, c'est maintenant ils font même des zones de collecte sur les circuits où on doit jeter nos papiers dans des zones ciblées pour éviter la pollution, parce que on sait qu'il y avait des abus sur certaines choses et interdiction aussi de jeter les bidons. Même si en amateur ils font beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas non plus de bidons, ils doivent les récupérer, donc mais bon, c'est très important, on pense aussi à ça, à l'environnement, donc bien sûr on a déjà la chance d'avoir des routes qui sont plus ou moins propres, mais en tout cas le but c'est de les rendre telles qu'on les a au départ de la course. Ouais, c'est important pour les organisateurs, alors que les coureurs sont dans comme pied désormais, ils vont passer une deuxième fois sur la ligne Saint-Mexan. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Saint-Mexan sur vie, 3 km du coup avant d'entrer dans comme pied, le passage de la Flamme Rouge et du coup le deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Et puis à ce moment-là, il restera 105 km à parcourir lorsqu'ils vont nous rejoindre. Et l'écart est remonté à l'instant annoncé par Radio Tour. 40 secondes désormais entre les 7 hommes de tête et le peloton. Donc là, ça y est, ça commence à devenir un bel écart assez important. On va voir si une équipe prend les choses en main, va mettre un ou deux hommes à rouler. S'il va y avoir des ententes entre différentes équipes qui sont pas à l'avant. Ou s'ils ont des sprinteurs ou des... Leur leader qui a ciblé aujourd'hui et qui veut faire quelque chose, va falloir quand même s'organiser parce que là c'est une belle échappée, donc faut la prendre au sérieux. Et là ils sortent de Saint-Mexan. Saint-Mexan. C'est ça. Survie. Saint-Mexan survie. Tout à fait.
Et ils vont ensuite rentrer dans le comité. Donc nous allons passer même sur la vie d'ailleurs. Petit cours d'eau. Exactement. Tout comme la Vendée. Parce que c'est la rivière La Vendée qui a donné son nom au département de la Vendée. Un petit peu d'histoire. Qui passe du côté de Fontenay-le-Comte. Et d'abord il y avait eu un départ du Tour de Vendée sur les bords de la Vendée. Alors que les courses sont à 2 km du prochain passage sur la ligne d'arrivée. Des lignes droites qui doivent permettre au peloton d'apercevoir au loin, je pense, les échappées. Tout à fait, là on est dans une belle Saint-Mexant, ça descend et on a une belle ligne droite d'un kilomètre environ. Donc, Et on va voir le premier classement rush, il me semble, au prochain passage sur la ligne d'arrivée. Tout à fait. Et des terres qui continuent de monter maintenant entre l'échappée et le peloton. On arrive à 40 secondes, 45 secondes. Ils sont toujours organisés, file montante, file descendante, ça, tout le monde passe son relais. Personne laisse son bout, donc c'est pour ça aussi que l'échappée gratte un petit peu des secondes par seconde. Donc, je serais pas étonné aussi de voir un coureur de Sojasun là, venir prendre les rushs et disputer pourquoi pas un classement annexe. Bon, certes, c'est pas une gang, mais ça permet d'avoir de la visibilité, d'accroître aussi la confiance. Et je serais pas étonné qu'il y ait un des trois hommes qui aille chercher ses rushs. Et puis, il y a un petit peu d'argent aussi à aller prendre sur les rushs. Donc, c'est toujours sympa de prendre l'enveloppe au passage protocolaire. Exactement. Et puis, monter sur le podium, ça fait toujours du bien au moral pour la suite de la saison. Même si c'est des classements meilleurs grimpeurs, classement rush, ça fait toujours du bien. Il faut. Et ils sont dans le dernier kilomètre, hein, ils sont à peu près à 600-700 mètres du passage sur la ligne d'arrivée maintenant. On rappelle qu'il va rester 105 500 km très précisément à parcourir lorsqu'ils vont repasser sur cette ligne d'arrivée. Des terres qui continuent de monter, 50 secondes désormais. On a vu Théo Monan se débarrasser de son vêtement. Et j'espère qu'il va en laisser aux autres quand même. Ah, parce que peut-être qu'il va aller chercher le classement des roches. S'il va chercher le général... Et là, on est dans la ligne d'arrivée. Hein. Tout à l'heure. Ligne d'arrivée, hein, vous les voyez en faux plat. Avec ce petit ralenti sera passé. Mais bon, Théo a plus rien à perdre. Il a déjà gagné son étape. Même si ça n'a pas l'air de disputer le sprint pour les rushs. Non, on va le passer comme ça. On a deux coureurs de Sojasun qui ont pris un petit peu d'avance. Je pense qu'il voulait le classement des rushs, comme vous l'avez dit, Brian. Ouais, c'est possible. Bon, là, on le passe en plus sans trop le disputer. Donc, c'est une aubaine pour ces deux coureurs-là. On place deux coureurs de première place sur le premier classement rush et puis advienne que pourra en fonction de la suite de la course. Et donc il reste 5 tours désormais à parcourir, 105 km. On a Antonin Pomard qui regarde avec attention le live de cette 6ème édition du circuit des plages vendéennes. Et le peloton qui va passer dans quelques instants à son tour sur la ligne d'arrivée. Les terres qui continuent de monter. 55 secondes désormais d'avance pour les 7 hommes de tête. On voit que ça commence à s'organiser. Qui c'est qui roule à l'avant du peloton? C'est Océane Eloudéat, il me semble, hein, qui roule actuellement à l'avant du peloton. Océane Top 16 et le Vélo Club Pays de l'Oudéac. Là, on arrive dans la portion où, malheureusement, pour les échappés, ça sera un peu moins... Ils vont peut-être prendre moins de champ, ils vont peut-être perdre un peu d'avance parce qu'on arrive dans les grands bouts droits, des longs faux plats. Donc le peloton, s'il s'organise derrière, c'est sur ces parties comme ça qu'ils vont pouvoir reprendre du temps. Okay, on voit une collaboration pleine encore de tous les membres de l'échappée. On collabore juste et pleinement. J'ai l'impression que chacun passe son bout de travail. J'avais quand même eu l'impression tout à l'heure que Maxime Rayo semblait un peu plus en méforme. Je l'ai vu sauter quelques relais. Je vois Théo quand même qui fait la tronche là. J'ai l'impression qu'il y a un coureur de soja qui a sauté son relais. Ouais, mais Maxime Rayo a sauté le sien et un coureur de soja sonne aussi. Hein. Donc il a dû. C'est Léopold Jamin qui a dû sauter. C'est ça, mais bon, faut être malin. Faut savoir aussi sauter un petit relais de temps en temps. Parce que mis bout à bout, à la fin, ça se paye tous ces petits efforts qu'on évite de faire bêtement, reprendre le relais tout de suite. Ça permet de garder les petites cartouches pour le final, donc c'est important. Faut penser, la course est encore longue.
On a deux types de gabarits, hein, des gabarits qui se ressemblent quand même avec par exemple Antonin Corvézier et Adrien Garrel, mais on voit qu'on a des coups de pédale différents. Hein. Chez Adrien Garrel, on a l'habitude du coup de pédale de la piste et on est très très véloce. Et on voit Antonin qui lui a une autre méthode, hein, qui amène plus de braquets. Apparemment, on a Tylian Larpe qui a un problème mécanique à l'arrière du peloton, le coureur du Team Cube 17. Et peloton apparemment à vive allure à la sortie de Comté, mais l'écart semble se stabiliser autour de 50-55 secondes. Ouais, ça collabore toujours bien. On voit la plupart des gars, hein, mettre la main à la poche. On voit. C'est. Lilian Jean qui est en train de manger à l'arrière du groupe. Et on voit Maxime Rio qui reste encore un peu à l'arrière. Hein. Ouais, peut-être que. Peut-être qu'il est en dedans et du coup il se dit qu'il va en faire le moins possible, ou en tout cas le minimum syndical pour collaborer, pour pas se faire remarquer, mais sans lâcher trop de cartouches dans la bataille. Donc là on voit bien un par un, les hommes de l'échappée pensent à s'alimenter, ils restent derrière, ils sautent leur petit relais. Ouais, c'est au tour d'Antonin Corvézier maintenant de s'alimenter, le coureur de Vendée U. C'est vrai qu'on va arriver à l'heure de course. Ils sont partis à 13h30 il me semble, avec un départ fictif à 13h28. Le départ réel était à 13h30. Donc dans 3 minutes nous serons à l'heure de course. On va avoir un deuxième classement point chaud. Oui. Donc on a passé le... Juste le avant Couex. Classement rush, Brian. Non, le premier rush, on l'a passé rush. Au passage. Autant sur la pour ligne. Moi. Et là c'est un point chaud. On a un classement point chaud, donc route d'Apremont. Simon, tu visualises où c'est? Oui, ça va être en haut d'un faux plat au croisement. À gauche, nous avons l'usine avant Petit Gars. Avant le Coex. Ah, c'est ça. Ok. Alors, attention quand vous posez une question à un Simon, parce qu'il faudra préciser ouais, lequel. Il faut que je précise. Et apparemment, derrière, on a les coureurs du team LMP Laroche qui font barrage à l'avant du peloton. C'est ça, là, ça leur va. Ils savent qu'ils ont un coureur très rapide devant. Donc cet échappé, c'est parfait pour eux. Ils ont un coureur rapide, en confiance et puis en plus en forme. Hein. On l'avait vu, surpris d'ailleurs de le voir aussi actif à Challans sur la première étape des plages. Il a été une grande partie aussi de la course à l'avant dans une échappée de 11 coureurs. Et il avait remis le couvert à la mi-course et il devait travailler pour Clément au sprint à Challans. Clément était tombé à 15 km du final, donc on avait changé les plans au dernier moment. Et Théo était pourtant pris de crampes, mais bon, il avait réussi à les gagner. Et apparemment, apparemment c'est très nerveux dans le peloton. Plusieurs coureurs qui appellent leur voiture. À l'instant, une nouvelle chute vient de survenir dans ce peloton. Donc on voit bien, pourtant c'est des routes très larges, malheureusement, on sent qu'il y a de la nervosité, il y a des chutes. Il y a plusieurs équipes qui sont concernées, le Vélosport Valtech, Wanheim, on saluera Serge qui passe nous voir, responsable de la communication du circuit des plages vendéennes, qui gère le site, les réseaux sociaux également. Ça va Serge? Ça va. Bon, moi tout va bien. On n'a pas vraiment d'image avec le peloton pour l'instant, on est toujours en compagnie des 7 hommes de tête où chacun en profite pour se ravitailler. On a eu quelques infos quand même concernant les équipes qui étaient allées au sol. On a eu écho du VCU Schwenheim, de Valette aussi je crois. Valette, de Côte d'Armor, Marie Morin et de Saint-Brieuc. Ensuite on n'a pas eu plus d'écho par rapport à cette chute dans le peloton, mais apparemment elle concernait de nombreux coureurs, hein, qui étaient restés au sol et étaient plus violente que celle qu'on avait vue tout à l'heure avant le passage sur la ligne. Oui, apparemment un rétrécissement de chaussée. On voit que le point chaud se dispute. Ouais, c'est Pommard de Cholet qui va chercher le classement des points chauds. Bah, c'est intéressant pour lui déjà d'être à l'avant et d'apprendre. Alors en plus, il peut aller chercher un classement annexe. Il se dit que bah forcément, il va jouer tout pour la victoire, mais éventuellement en cas de faiblesse en fin de course sur 150 km, c'est déjà bien d'être à l'avant et en plus d'aller assurer un classement annexe, comme les points chauds. Et derrière, c'est le balai du directeur sportif au niveau du peloton. Tout le monde appelle sa voiture, l'Oudéa, Côte d'Armor pour ravitailler notamment Enzo Boulet, qui est peut-être l'un des favoris aussi du jour en cas d'arrivée massive.
C'est ça, eux aussi, ils savent qu'ils ont un homme rapide derrière avec Enzo Boulet, et ils ont un homme à l'avant, donc c'est parfait pour eux, ils n'ont pas besoin de rouler, pas prendre les choses en main, donc c'est parfait. Allez, l'écart diminue maintenant entre les chapelles peloton, désormais 35 secondes. On va voir les formations qui roulent au niveau du passage du point chaud. On devrait vraisemblablement avoir les mêmes équipes au passage sur la ligne. Et apparemment, la chute dont nous avons parlé tout à l'heure est bien entraînée de grosses cassures au sein du peloton. Un peloton apparemment très amaigri actuellement. Et derrière les hommes de tête, il y en a un petit peu partout. On a demandé du coup au directeur sportif de resserrer la file. Pour éviter de permettre à d'éventuels coureurs qui ont été gênés ou même pris dans la chute de rentrer. Et donc ça va favoriser un amincissement du peloton et peut-être une meilleure organisation pour entrer sur un groupe de tête. C'est ça, c'est soit le peloton continue de rouler ou malheureusement des fois s'ils ont leur leader impliqué dans la chute, ils peuvent permettre un temps mort ou ralentir pour attendre leur leader. Donc on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant l'écart est stable. Toujours d'une quarantaine de secondes. Maxime Rio aussi, on l'avait vu en début de saison avec Côte d'Armor, Marie Morin, sur la flèche Bigouden. Il avait pris la 8ème place, il avait participé au festival de Côte d'Armor. Et là, on a à l'écran le peloton. Hein. Vous voyez, il y a deux pelotons en fait. Ça, on a l'impression qu'ils sont en train de. Ici et derrière, au bout de la ligne droite, vous allez apercevoir un deuxième peloton. Un peloton qui a été fragmenté en deux. Apparemment, beaucoup de monde aussi dans les voitures. Et l'écart qui a dû passer en dessous des 30 secondes, puisque là il y a un signe qui n'est jamais bon, c'est qu'on a vu la voiture neutre repasser à l'avant de la course, qui était derrière le groupe d'échappés. Et si on se retourne, effectivement, le premier peloton est là. Hein. On les aperçoit tout au bout. Pour l'instant, on continue de collaborer. Et l'écart, on annonce un peu moins de 30 secondes pour l'instant entre les 7 hommes de tête et le peloton actuellement. Alors la caméra, ça écrase un peu, hein. Annonce que de nombreux coureurs retardés par la chute sont en train de revenir avec le peloton. Ça veut dire que devant ça temporise un petit peu, ça permet aux autres, ceux qui sont été dans la chute, ça leur permet de rentrer quand même. En général, on n'accélère jamais trop quand il y a une chute massive à l'avant du peloton, on respecte les coureurs retardés, même s'il y a des fois où forcément le rythme est tellement soutenu qu'on le maintient, mais là on a choisi de faire rideau au niveau du peloton. C'est ça, on est loin de l'arrivée, il n'y a pas non plus d'enjeu bien spécial. Malheureusement après il y a des faits de course où forcément la course est lancée, donc on ralentit plus, mais bon là il n'y a pas non plus le feu, donc vaut mieux savoir temporiser, attendre ses coéquipiers. Un homme de plus, ça peut toujours servir dans le final, donc c'est important de... C'est important. Apparemment derrière, il y a beaucoup de coureurs qui ont été impliqués dans la chute, qui ont des problèmes mécaniques, mais les directeurs sportifs sont un peu coincés, parce qu'il y a des petits groupes un petit peu partout. Ça n'a pas l'air simple à l'arrière. On fait face aussi à un autre problème. Hein. Maintenant, la plupart, mais pas la totalité des équipes, sont équipées de roues à disque. Et on a un service course qui est soit plus limité, soit en fonction des équipements qui n'est pas interchangeable, et entre le matériel perso et le matériel d'équipe c'est plus long forcément de changer une roue avec un disque qu'une roue à patin, mais maintenant la tendance des disques c'est plus qu'imprégné dans le peloton, hein, puisqu'on voit maintenant dans le peloton professionnel d'ailleurs il y a plus des disques qui sont à patin outre Ineos et Jumbo Visma encore l'an dernier qui en montagne il y avait un vélo à patins. La Ineos Pinarello, ils ont choisi encore de rouler avec des vélos patins, mais là on a très peu de vélos dans l'échappée qui sont à patins. Je crois qu'il n'y a que Maxime Rio qui est à patins, mais sinon Sojasson ils sont avec des disques, Thibaut Pomar disque, Antonin Corvezier aussi, je pense que Théo aussi. Ouais, Théo aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, maintenant tout le monde passe en 10, c'est quand même un confort. On sait qu'on est sur du sec ou sur du mouillé, on a quasiment le même freinage, ça change plus, donc c'est quand même un sacré confort, même si par rapport à un patin sur des routes sèches, il n'y a pas vraiment
de différence, parce que des bons étriers, des bons patins, ça freine très très bien. Le seul inconvénient, moi je dirais quand même des freins à 10, c'est, ça va être le poids. Les vélos sont quand même un peu plus lourds et on sait que 500 grammes de gagner sur le vélo, c'est pas négligeable, surtout quand on va avoir un peu de dénivelé, où au final 500 grammes, il faut les traîner en plus, donc c'est un peu de perte d'énergie. Donc ça serait le seul point négatif, on va dire, des freins à disque où pour l'instant ils n'arrivent pas à aller chercher les grammes pour être pile poil à la norme, pour être au top du top quoi. Et on le voit, l'éther est remonté, 45 secondes désormais entre la tête de course et le peloton. Et on a vu un petit signe, la voiture du commissaire est repassée derrière ainsi que la voiture neutre et des coureurs qui rentrent actuellement dans la commune de Couëx. Tout à fait, Simon. C'est bon, j'ai suivi. Et si on parle d'équipementier, on pense aussi au Vendée U cette année qui a bénéficié de l'équipementier de Total Energy. Donc maintenant, le Vendée U est équipé de vélos Specialized et bénéficie aussi du textile Sportful. Donc c'est vrai que cette équipe-là a la chance d'évoluer dans un très bon cadre et bénéficie du matériel autant que de l'encadrement. Qui prône vraiment vers la performance. C'est ça, ben là on le voit, comme on pouvait dire tout à l'heure, ils sont vraiment, c'est ce qui permet aussi à toute l'équipe d'être dans une spirale positive. On voit qu'ils ont fait un et deux hier à la Coupe de France, sur les plages vendéennes ils sont présents, et quand on a une bonne dynamique, du matériel qui est au top, on n'a aucune excuse et ça tire forcément l'équipe vers le haut. Et c'est quand même pas négligeable parce que c'est quand même une Formule 1 et chaque détail est important. Et si notre vélo est bien entretenu et ce qui se fait de mieux niveau performance, c'est très important. C'est très important parce que quand on s'entraîne dur toutes les semaines entre 15 et 25 heures d'entraînement, si au final notre vélo est pas au top du top, c'est toujours dommage. On n'a pas toutes les cartes en main, même si en fonction de chaque équipe ils ont leur équipementier, on peut pas faire toujours ce qu'on veut malheureusement, mais il faut faire avec. Mais bon, quand on bénéficie comme le Vendée U de ce qui se fait au mieux au monde, faut en profiter, et ce qui est chose très agréable. Et à ce petit virage toujours dans la traversée de Couëx actuellement pour les 7 hommes de tête. On le rappelle, dernier écart annoncé entre l'échappée et le peloton, 45 secondes. Toujours une bonne entente et un passage favorable là, dans le bourg de Couëx pour l'échappée. On voit que ça collabore toujours bien, chacun vient faire son bout de travail. Pour l'instant, personne rushing. On voit Antonin qui va retomber dans la roue de Maxime Rio, qui lui m'a l'air un peu plus couché sur sa machine, un peu plus à la peine. Mais là, il est bien encadré. Quand on voit devant lui, c'est Lilouin Jean-Jean. Et derrière, Antonin Corvezier. Alors, il est entre deux bourreaux. Au moins, il a l'abri du vent, une fois qu'il est dans les roues. Ouais, ça lui permet de récupérer. C'est vrai que là, celui derrière lequel on est le moins abrité, c'est peut-être le petit Jamin. Je pense que Thibaut Pomard est un poil plus grand que Léopold. Et c'est peut-être... Antonin Corvezier, qui bénéficie des bons gabarits à l'avant. C'est ça. Ouais, on a des beaux bébés, hein, comme on dit. On a des gars qui ont de la force, qui ont de grosses qualités sur des circuits plats ou de puncher, même quand on pense à Adrien Garrel, Théo Menant, même Maxime Rio ou Antonin Corvezier, on sait que on a des gars qui savent appuyer sur les pédales. Et Théo Menant qui va s'alimenter. Le coureur du team LMP, la Roche Vendée Cyclisme, on le rappelle, leader du classement général du circuit des plages vendéennes. Et tous ces petits détails comptent. Quand on est dans une échappée, c'est important de savoir derrière, se mettre derrière la bonne personne, pas la personne qui passe le plus fort. Faut être malin et savoir anticiper. Il n'y a pas de petits détails, il y a tous les petits détails qui comptent. Donc ça à prendre en compte, pas se mettre derrière la personne la plus petite ou des choses comme ça. C'est tous ces petits efforts inutiles, se payent dans le final aussi. Hein. Ouais, bien sûr, là on voit que on est sur une file. Je pense que c'est Adrien Garrel là-bas qui va reprendre directement le relais après pour relancer. Mais Adrien Garrel qui
avec donc le coureur de Cholet, Thibaut Pomard. Oui, il n'y a pas de gros temps mort dans l'échappée. À chaque fois, il y a quelqu'un pour repasser son bout de relais. Mais bon, on voit bien quand même, derrière le peloton est quand même organisé. Ils perdent l'écart est stabilisé maintenant. Ils n'arrivent pas non plus à prendre trop d'avance. Donc l'échappée est quand même prise au sérieux. Il laisse pas l'échappée prendre plus. Donc, Alors c'est une échappée qui a mis du temps à se dessiner. On l'a vu en début de course. Beaucoup d'équipes ont tenté de sortir. Ça a mis un peu de temps à se décanter. Et donc ça y est, maintenant on a bel et bien 7 coureurs installés en tête de l'épreuve. Le dernier écart avec le peloton était de 45 secondes. On n'a pas eu d'autres informations depuis. Je pense que l'écart a dû augmenter encore. Hein. Et finalement, on voit les formations qui ont voulu faire un gros début de course à l'avant. On peut oublier sinon Laval qui avait essayé à maintes et maintes reprises de sortir, qui n'est pas représenté devant. Dinan aussi. Hein. L'équipe. Ouais, Dinan aussi, qui c'est vrai qu'il était à pied d'œuvre dès le début de course. Mais sinon, l'ensemble des formations qui souhaitaient avoir un début de course musclé et mouvementé, j'ai l'impression qu'ils sont devant. On a vu Théo Menon en faire beaucoup, même lever la main pour un peu gueuler sur ses collègues en leur demandant de se replacer. On a vu aussi le Vendu relancer à maintes et maintes reprises. Cholet, pareil, on les avait vus acteurs. Et il me semble que c'est Thibaut Pomard qui a déjà pris 2-3 coups avant de choper la bonne échappée, ou en tout cas l'échappée actuelle. Et puis les Sojasen, coup de maître à la relance, bien placé. On l'avait vu, ça s'était fait sur la petite route entre Saint-Mexant et la ligne d'arrivée. Tout à fait, il fallait s'en douter, il fallait être placé à cet endroit-là. Je pense que tous les directeurs sportifs, ils ont ce qu'il faut comme matériel pour aller voir les routes avec les Google Maps, des choses comme ça. Donc au briefing, à mon avis, ils étaient quand même tous au courant qu'ils allaient emprunter une petite route à ce moment-là. Donc si les hommes n'étaient pas placés, c'est une faute. Et voilà, ils vont le payer, ils vont devoir peut-être rouler pour récupérer du coup c'est cette fuyère. Et on a vu aussi des équipes hein, qui sont arrivées assez tôt avant le circuit des plages vendaines et qui ont passé toute la semaine ici et qui du coup on en profitait durant les journées de repos pour aller parfois reconnaître les parcours des différentes manches. On marque une petite page de publicité et on se retrouve juste après. C'est déjà de bosser. Il va faire la tombola. Ah, d'accord. C'était qu'il m'a rien sur la pluie, j'ai rayé, j'ai mis à pourri. Il y avait Tesser, Clément Tesser, qui a envie de la gâteau. Moi, je lui ai dit à la présentation, j'ai dit au fait, Clément, on avait une question depuis le début de la semaine, est-ce que tu mets du sirop dans ton bidon? Ah oui, il l'a fait. En fait, il a pété, et du coup, j'ai dit à la On a vu la première. Ah ouais. C'était où? Ben on a vu deux. Trois. On a vu les trois. Je sais pas où j'étais. On a vu les trois. Dans le virage là, à quoi? Ouais. Il y a des morts? Non, j'étais deux à trois. Bah, apparemment non. Thank you.
Allez, mesdames, messieurs, nous sommes de retour en direct sur ce live vidéo du circuit des plages vendéennes. Sixième et dernière manche aujourd'hui autour de Comtier. La situation de la course est inchangée. Toujours 7 coureurs installés en tête. On n'a pas eu de dernier éther annoncé. Avec le peloton, je pense qu'on tourne autour des 50 secondes, 1 minute. On saluera au passage nos collègues Spitur au podium, toujours très sérieux. Marion Hérault et Thibaut et Amaury Thibaut, je veux dire Thibaut Amaury. Marion Hérault Garnier, effectivement, et Amaury Thibault. Messieurs, toujours 7 hommes en tête. Alors, j'essaie de lire l'ardoise au passage. Ah mince, on a zoomé quand il fallait pas. On va tester tes talents artistiques. On va lire de loin. Ah ben là, ça va vraiment être de loin. L'ardoise est repartie devant. Et donc vous le voyez, hein, ce groupe d'échappés avec 7 coureurs. On a là donc Antonin Corvézier pour la formation Vendée-U. Maxime Rayot du côté de la formation Côte d'Armor Marie Morin-U. On a 3 représentants pour la formation sous-jacente avec Adrien Garel, Léopold Jamin et Lilian Joajan. Également dans cette échappée, un coureur de l'UC sur les 49, Thibaut Pomard. Et puis on retrouve également un coureur du team LMP. La Roche Vendée Cyclisme avec Théo Menant. Voilà pour les 7 hommes installés en tête. Et apparemment derrière ça roule très fort au niveau du peloton. Il y aurait même quelques cassures à l'avant. Ouais, très nette accélération puisque l'éther est passé de 50 à 35 secondes. 35 secondes donc désormais. Entre les 7 hommes de tête et l'avant-garde du peloton avec apparemment une légère cassure, il y aurait une quarantaine de coureurs dans la première partie du peloton. On ne sait pas pour l'instant quelle est la formation qui emmène actuellement la chasse derrière les échappés. Et on voit toujours une entente, hein, cordiale entre tous les hommes de l'échappée. Là, on voit les sojas qui tournent toujours aussi bien. On collabore toujours du côté de Thibaut Pomard, de Maxime Rayot, d'Antonin Corvézier ou de Théo Menant. On a vu, hein, une petite discussion entre Corvez et Théo qui se connaissent très bien. Ils ont eu le temps de discuter. On voit les voitures passer devant eux. Maintenant, le peloton est en file indienne. On se demande les formations qui sont en train de rouler derrière. Peut-être le VCP Ildoudéac ou Laval. Hein, Laval Cyclisme 53 qui, également. Qui n'a personne à l'avant. Hein. Et pourtant, ils étaient 6, 7 même à Laval encore au départ. Alors aujourd'hui. On a vu, hein, plusieurs équipes en début de course qui ont tenté de lancer des échappées sans succès, qui ne sont pas représentées. C'est le cas de Laval, c'est le cas de l'Oudéac, c'est le cas également du WB Fibolia Morbihan et également de l'équipe de Dinan. Donc autant dire qu'il y a plusieurs formations qui pourraient éventuellement prendre les choses en main derrière. L'éther qui diminue encore 30 secondes, après, alors qu'on va rentrer à Saint-Mexant-sur-Vie. On va rentrer à Saint-Mexant-sur-Vie, on va repasser sur la vie. De regarder en arrière sur la vie. Cours d'eau turquoise, hein, en Vendée. Ouais. Quel beau jeu de mots. Le peloton est cassé en plusieurs groupes. On vient d'avoir l'info par Radio Tour. Et donc c'est certainement sous l'impulsion des coureurs de Laval Cyclisme 53 ou du VCP Ildoudéac, je pense, puisque le WV Fibolia Morbihan, il n'était que 5 au départ. Et je ne pense pas qu'ils prennent la main directement, mais en tout cas, on a une vive accélération du peloton. Si on pouvait avoir éventuellement la vidéo au niveau de la caméra du peloton, si en régie on pouvait nous la caler, pour qu'on puisse avoir des images de ce qui se passe à l'avant. C'est ça, et puis moi je pense aussi à Bretagne Sud Cyclisme, où ils ont une équipe d'expérience, ou avec des anciens coursiers qui sont connus. Je pense à Anthony Aspo, Nicolas David, Brenter, Sherwan. Donc c'est des coureurs d'expérience et on peut compter sur eux, c'est des courses qu'ils connaissent par cœur, qui les ont faites maintes et maintes fois. Donc c'est une équipe où, mine de rien, faudra les surveiller, ils ont des bonnes cartes en main, eux. Allez, sortie de Saint-Mexant-sur-Vie pour la tête de course. Ils vont être à peu près 2 km d'un prochain passage sur cette ligne d'arrivée. Et lorsqu'ils vont classement rush. Et lorsqu'ils vont passer, il restera 84,4 km à parcourir. Et apparemment, un peloton très attiré derrière. 25 secondes. On n'a pas de nouvelles encore concernant l'impulsion qui est mise en tête de peloton, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une formation de N1 qui n'est pas représentée à l'avant, puisque
Sur les formations de N1 au départ, non représentées à l'avant, on a l'Océan Top 16, on a l'Aval Cyclisme 53, on a le WB Fiboli à Morbihan, on a le Vélo Club du Pays de l'Oudéac et le Dinan Sport Cycling, ainsi que le Team Ucube d'ailleurs, Team Ucube qui n'est pas non plus représenté à l'avant. Et puis en DN2, et ben à l'avant, on notera le Team LMP La Roche-sur-Yon, Vendée Cyclisme et l'UC Cholet 49, mais des équipes comme le SEC d'Ouest, Echart Cyclisme ou le VS Valtet n'ont pas de coureurs. Et apparemment dans le peloton, allure très 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 rapide, 25 secondes donc désormais entre les 7 hommes de tête et l'avant-garde du premier peloton, puisqu'on rappelle qu'il y a eu une cassure au sein du peloton à l'instant, sous l'impulsion de plusieurs formations. L'entrée de Comte maintenant pour les 7 hommes de tête. Comme on dit derrière, ça ne doit pas amuser la galerie. On doit rester bien en fil et appliqué dans la roue du coureur qui nous précède. Et entre guillemets, heureusement qu'il n'y a pas un vent latéral qui souffle fort, parce que pour l'instant c'est sauf qui peut. On a un vent 3 quarts d'eau là sur cette partie qui revient vers l'arrivée, et on est rentré à 22 secondes d'écart. Et j'ai entendu avec Radio Course un peloton qui semble se relever quelque peu. Eh bien, il faut réussir à s'entendre bien sûr en tête de peloton, alors que les hommes de tête eh bien, sont dans le dernier kilomètre avant de repasser sur la ligne d'arrivée, troisième passage. Il y a donc le deuxième classement Roche également à se disputer, et il va rester 84 km donc à parcourir donc dans quelques instants lorsqu'ils vont repasser sur cette ligne d'arrivée. Et voilà, les 16 hommes de tête qui sont donc au niveau de la ligne d'arrivée. Le deuxième classement Roche à se disputer est donc 84 km maintenant à parcourir. On va peut-être avoir un visu sur le peloton derrière, comment ça s'organise, qui c'est qui roule. Et on voit un coureur de Soulassen qui repasse encore sur la ligne en première position, et donc il va prendre la totalité des points pour le deuxième passage Roche. Et là on voit déjà les motos hein, qui sont de retour. On risque d'avoir un peloton très étiré. Eh ben, c'est le peloton. Ça roule. Alors c'est Dinan, j'ai l'impression, qui emmène peut-être le Dinan ou l'Octobre. Non, c'est Vélo Club Lucien. Lucien ? Il y a Mathieu Urbain du Vélo Club Lucien en deuxième position. Elle est qui pour l'instant reste stable au passage, 22 secondes. On voit bien, le peloton est assez étiré quand même, donc ça roule. Ils font le forcing pour boucher ces 20, une vingtaine de secondes, donc là ils vont arriver sur une partie propice pour eux. Ils vont voir l'échappée en point de mire, donc ce sera à ce moment là à mon avis qu'ils vont peut-être rentrer un peu plus facilement, on va dire. Il reste 4 tours hein, de circuit donc à effectuer, 84 km. On en profite pour saluer et pour remercier tous les partenaires de ce circuit des plages vendaines. Et puis j'en profite également, puisqu'on vous ne l'avez pas forcément vu tout à l'heure, mais il y a eu une minute d'applaudissement avant le départ en hommage à Marie-Claude Odéon, qui était une bénévole membre du circuit des plages vendéennes, qui nous a quittés juste avant le début de cette épreuve, donc il y a seulement quelques semaines maintenant, et qui avait la charge eh bien, de la partie restauration, celle qui accueillait tous les midis, tous les bénévoles pour le repas, qui gérait et qui faisait en sorte eh bien, que chacun soit restauré avant d'accomplir sa tâche. Et on a une très forte pensée pour elle aujourd'hui en particulier, puisque sa famille est avec nous ici du côté de Comtier. C'est ça, faut toujours remercier les bénévoles, car sans eux, on n'aurait pas toutes ces organisations qui sont importantes, et heureusement que nous avons des bénévoles dévoués et qui sont là tous les ans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même sur le circuit des plages, c'est 6 jours intenses, donc il y a de l'organisation, il y a tout qui est mis en place en amont, donc c'est énormément de boulot, donc il faut toujours être gentil et savoir remercier les gens au bord des routes et savoir les remercier très chaleureusement pour leur travail. C'est vrai qu'il y a plus de 100 bénévoles hein, mobilisés tous les jours durant le circuit des plages vendéennes, et très souvent ils commencent à 6h30, 7h le matin pour installer la ligne d'arrivée, faire en sorte que tout soit prêt, et puis bien sûr tous les signaleurs. Les terres maintenant qui semblent se stabiliser légèrement entre l'échappée et le peloton, 23 secondes.
Et quand on passe aussi à Comquier, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à Giovanni Bernodo qui habite dans la ville de Comquier et qui a longtemps en fait, même de nombreuses fois, ses plages vendéennes. Avant de passer chez les professionnels et chez Europcar, puisqu'il me semble que Giovanni n'a jamais couru chez Direct Energy. Non, il était tout à fait chez Europcar. Il avait pris sa retraite à l'occasion d'un tour de Vendée, Giovanni Bernodo. C'était au départ d'Olonne-sur-Mer, je crois, j'ai un doute. Il me semble que c'était à cette occasion. Il a d'ailleurs été parrain du tour de Vendée. Et Joe qui réside donc dans la ville de Comquier. Et on saluera sur le chat en direct eh bien, notre collègue animateur Rémi Fillon qui nous fait un petit bonjour. Vous avez un fan aussi apparemment, Brian, sur le chat. Ouais, j'ai François Leray. Et François Leray, c'est le frère d'Alice, la copine de Clément Orso. Donc François, je connais très bien. Ancien coureur aussi, cycliste. On a couru ensemble à Pontchâteau. Dans le plus beau club de France. Hein. Le plus beau club de France, je laisse Pontchâteau. Très beau maillot, très belle couleur. Et ouais. Je dis pas ça parce que je suis de là-bas. Présidé par Frédéric Leclerc, Thierry Corbillet. Ouais. Un club formateur qui a vu passer de très bons coureurs. On a trois licences professionnelles à l'US Pontchâteau. Comme on l'évoquait, c'était samedi, donc c'était hier avec Maxime Chevalier qui est chez BNB Hotel. On a Lecoq qui est maintenant Brian Coquart chez Cofidis. Et puis on a un tout récent Néo Pro. Qui a pris sa licence aussi à l'US Pontchâteau, qui a fait toutes ses gammes dans le club Pontchâtelain, puisque c'est Yael Joualan qui a signé dans la toute nouvelle équipe continentale de l'Unant Atlantique. Formation dirigée par Anthony Ravard, qui est d'ailleurs sur les boucles du Haut-Var et des Alpes-Maritimes, et une nouvelle formation sur continentale le tour aussi. Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes. Et il y a une autre formation aussi qui est toute neuve, continentale, avec le c'est Sprinter Nice Métropole. Et qui a fait forte impression hier, hein, avec une tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var, qui maintenant est dirigé par l'ancien coureur Amaël Moinard, qui est devenu le directeur de l'épreuve. Donc c'est quelque chose qui est très très bien d'avoir tant d'équipes pro qui se créent quand même en France, et ce qui permet aux coureurs amateurs de pouvoir faire un tremplin dans une équipe continentale et tout de suite passer dans le monde professionnel. Donc c'est une chance. C'est vrai que sinon c'est compliqué, hein. Exactement. Pour passer professionnel, il faut être soit dans des réserves pour passer chez Total Direct Energy, donc être au Vendée U, ou éventuellement dans des formations support comme le VCPI de Loudéac avec BNB. Mais on avait peu de continentales comme ça qui permettaient de se monter et de laisser la place à plus de coureurs français d'ambitionner mieux, d'apprendre aux côtés des plus grands. Et c'est vrai que des formations comme Nice, qui était en National 2 encore l'an dernier, ou même Nantes en National 1, les voir au départ de grandes courses avec des coureurs mondiaux des plus connus, hein, quand on pense à Nairo Quintana, à Peter Sagan, ou encore d'autres nombreux coureurs, hein, on pense même à Tim Wellens hier qui est venu gagner devant Nairo. Oui, comme on dit, c'est la classe et ça permet d'apprendre directement les yeux ouverts, d'emmagasiner de la caisse. Alors c'est pas simple au début, mais en tout cas on les voit, ils ne déméritent pas, puisqu'ils sont tous les jours à l'avant. Il faut pas oublier que tous les coureurs au départ, ou quasiment, ils ont tous le rêve de passer à l'échelon supérieur et l'envie, l'objectif. Donc pour eux, c'est une chance supplémentaire de se montrer plus facilement. Et j'ai un petit clin d'œil d'Emilien Janière qui me dit que quand je parle de Pontchâteau, que c'est le plus beau club de France. Bon, on a le VCR Bretet aussi qui est le deuxième plus beau club de France. Pour pas faire offense au vélo club Les Herbiers, qui est aussi un très bon club support, qui a notamment servi de tremplin à Emilien ou encore à Benji Marais, puisque lui aussi, qui est au Vendée U, est passé par le vélo club Air Bretet. On a la chance d'avoir un encadrement top, des jeunes qui sont aussi à l'écoute et dans les organisations. Je pense aussi à Noan Coutant. On cherche toujours à chaque fois des jeunes entre guillemets bénévoles ou même organisateurs. Je pense à Noan qui est dans le bureau du Chrono des Nations et qui œuvre beaucoup, je sais, avec Guy Gouraud pour l'organisation de cet événement. Et en tout cas, chapeau à eux, puisqu'ils donnent de leur temps et c'est ce qui permet d'avoir une organisation qui tourne, qui fonctionne bien, et d'avoir surtout un calendrier de course plein, et ça tout au long de l'année.
Alors messieurs, on rappelle la situation de la course. Donc si vous nous rejoignez, dernière manche du circuit des plages Vendaine, ici du côté de Comtier, 7 hommes installés en tête. L'éther vient de se stabiliser autour de 25 secondes avec le peloton. C'est 7 hommes, on vous les rappelle, on retrouve là un représentant de la formation Vendée U avec Antonin Corvézier, un coureur pour l'équipe Côte d'Armor Marie Morin U, en la personne de Maxime Rélio. L'équipe qui fait la bonne opération, c'est Sojasson Espoir avec 3 coureurs à l'avant, Adrien Garel, Léopold Jamin et Lilian Jouajan. Dans cette échappée, on retrouve aussi un représentant de l'UC Cholet 49, Thibaut Pomard, et puis également la présence du leader du classement général de l'épreuve, le coureur du team LMP La Roche Vendée Cyclisme, Théo Menant, vainqueur de la première manche à Chalon le week-end dernier. L'écart qui continue de remonter, 30 secondes désormais d'avance pour les 7 hommes de tête. Lilian, c'est du sport pour dire hein, son nom. Jouan-Jean. Lilian Jouan-Jean. 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 Lilian Jouan-Jean. Jouan-Jean. Oui. Et parfois on peut écorcher un peu les noms et les prénoms, cela arrive. On va l'appeler Lilian. Exactement. Lilian. Ah, ça y est, nous avons. On voit le peloton de nouveau. Rideau. C'est ça, ils reprennent toute la largeur de la route. Et d'ailleurs, on saluera les vérandas du Stade Rideau, partenaire du circuit des plages Vendéennes. Voilà, on va faire un petit clin d'œil. On a d'ailleurs vu Gustave Rideau venir à plusieurs reprises sur le circuit des plages. Ah, Gustave qui a beaucoup œuvré pour le vélo en gros plan même général, puisqu'il a aidé non pas seulement que des équipes vendéennes, on l'a vu accompagner Côte d'Armor, Marie Morin, Véranda Rideau à l'époque sur le circuit des plages vendéennes, quand on a vu la victoire au général de Dylan Kowalski, où ils avaient fait des maillots spéciaux, Gustave avait fait des maillots spéciaux pour l'événement, et Côte d'Armor courait avec des maillots tout noirs, avec le logo Véranda Rideau. Donc c'est vrai que Gustave Rideau aime le vélo et le fait savoir, et en tout cas le promu dans le département, mais pas seulement. Et pour l'instant, l'entente est toujours bonne. Hein, devant, Théo Bonant qui prend le relais autour de Maxime Rio maintenant d'en prendre un. Ah, c'est ressorti à l'avant du peloton. On tente de relancer l'allure en tout deux ou de partir en contre derrière les hommes de tête. Maillot jaune comme ça. Et les secs d'eau, c'est bien possible. Les secs d'Ouest, l'US Saint-Herblain. Il y a Moumoun aussi là, Sébastien Monnier. Je vois sur le live l'assistant de Cholet que j'ai eu quand j'étais au sable et qui est en train de skier. Là, j'espère qu'il est arrêté dans un bar et qu'il boit une tasse pour nous écrire. Mais en tout cas, il a l'habitude de donner de son temps lui aussi, que ce soit au sable ou maintenant il est avec cette belle équipe de Cholet. Et il nous dit allez Cholet, donc on a un gros soutien pour Thibaut Pomard à l'avant de la course. Vous connaissez du monde dans chaque ville de France, Marianne. Dans chaque ville, je sais pas, mais presque. Mais presque. Vous faites beaucoup de relationnels, à mon avis. Je fais beaucoup de relationnels. Non, c'est. On a la chance de côtoyer des mecs super, et Moumoun en fait partie. Il donne beaucoup de temps, tout le temps, pour œuvrer pour le vélo. C'est quelqu'un qui vient du foot, ne connaissait pas forcément le vélo, est tombé amoureux de ce sport. Et prenez des week-ends ou même de séjours, hein, parce que en général les assistants qui viennent le dimanche ou en tout cas le week-end ont un travail hein, toute la semaine, un travail autre que faire assistant, donc masseur ou préparateur pour les coureurs, et donc ils donnent de leur temps, soit c'est de la vacation, soit c'est du bénévolat, mais en tout cas ils passent des journées avec nous à nous accompagner, à nous assister, et c'est important de le souligner quand même, parce que ils sont déjà très occupés la semaine, ils ont un travail à temps plein, et c'est vrai qu'ils repassent du temps avec nous, avec les coureurs le week-end, ils sont aux petits soins tout le temps, et des fois on fait pas vraiment attention à ça, et quand on se rend compte du temps qui nous est accordé, il faut le souligner. Alors, on a aperçu aussi sur la ligne d'arrivée Claude Moreau qui a été le premier vainqueur de la première édition du circuit des plages Vendéennes. C'était en 1987 avant d'en devenir le président durant de nombreuses années. Il a tenu donc la tête de l'épreuve. D'ailleurs, quand on regarde le palmarès, on voit Laurent Madouas qui avait gagné l'année suivante en 88. Des coureurs comme Mickaël Boulet, on le disait, vainqueur en 92, le papa de Enzo Boulet, qui court pour la formation Côte d'Armor Marais Morin U et qui s'est imposé jeudi à Sainte-Flève-des-Loups. Et Frédéric Guédon aussi s'est imposé sur le circuit des plages au classement général. Yannick Tombak, le coureur estonien. Et puis plus récemment, la dernière victoire, c'était en 2020 avec Dylan Kowalski.
pour la formation Côte d'Armand Marie Morin. L'année d'avant, on avait vu la victoire de Yanis Issad pour Lucent Atlantique. Fabien Schmitt s'était également imposé en 2018, Clément Orsou en 2017, Charles Herbert en 2016. Et puis avant cela, c'était la victoire d'un Norvégien, Auguste Jensen, qui à l'époque portait les couleurs de la sélection de Norvège. Et puis on a eu aussi Morgan Lamoisson, Freddy Bichot, Tony Hurel, voilà venir s'imposer sur cette épreuve. En 2022, on le rappelle. Ce sera Théo Menon, le père Menon, qui va venir inscrire son nom au palmarès. Il arrivait, il disait prendre la saison sans pression. Et finalement, ça lui réussit plutôt bien. Lui qui est parti du Vendée l'an dernier, qui a rejoint la formation du team LMP La Rochelle en Vendée Cyclisme. Il a trouvé des coéquipiers avec qui le courant est directement passé. Il connaissait déjà bien Clément du Vendée U, Kevin Fouache aussi, et tous les directeurs sportifs du team LMP ainsi que son président Yannick Leclerc lui font pleinement confiance et ça lui réussit. Il court sans pression, il a pu en tête l'objectif qui est pour un cycliste amateur une finalité de passer professionnel et des fois courir décontracté comme il le fait là. Mais finalement ça lui réussit, il travaille maintenant la semaine aussi, il est plus à cogiter, à tergiverser dès que le week-end ça va pas, donc il est occupé tout le temps et c'est peut-être cette façon-là en tout cas de vivre et de courir qui lui convient le mieux. C'est ça, le plus dur c'est de trouver son juste équilibre, savoir s'entraîner, pas se mettre de pression pour les week-ends et à côté là maintenant Théo il prend c'est le vélo plaisir et au final c'est comme ça que ça marche sur le vélo. Si on prend plus de plaisir ou si on se pose trop de questions, ça marche pas, donc Théo il est décomplexé et à mon avis il va faire une grosse saison sachant qu'il a une grosse pointe de vitesse et à mon avis il aura sa carte sur de nombreuses épreuves cette année et pour le collectif de La Roche-sur-Yon et pour le dynamique de l'équipe, c'est comme on disait avec le Vendée U, ça tire l'équipe vers le haut d'avoir des coursiers comme ça, ça va en donner envie aux jeunes et de se dépasser tous les dimanches, donc c'est vraiment très bien pour cette belle équipe. C'est vrai qu'on a vu le team LMP à l'image du WB Fibolé à Morbihan prendre une autre dimension là ces trois dernières années de par l'avenue de Clément pour le team LMP qui a été la première recrue phare et qui a permis à certains de ses coéquipiers finalement de prendre confiance, d'apprendre à courir auprès d'un coureur qui est capable de gagner. Donc c'est-à-dire que c'est pas évident d'avoir quelqu'un dans une équipe qui a une pointe de vitesse comme celle de Théo ou celle de Clément. Et dans le milieu amateur, c'est plus que précieux, hein, parce que quand on est grimpeur, puncher ou même baroudeur, finalement on a peu de possibilités de s'exprimer. Quand on est grimpeur du côté de la Vendée, c'est très compliqué. On pense à Thomas Champion qui avait fait deux années au Vendée U et qui avait eu besoin pour briller de signer à Bourg-en-Bresse avant de passer chez Cofidis pour avoir des courses et un calendrier de courses qui lui convenait finalement un peu plus avec par exemple le Tour de Savoie-Mont-Blanc ou des courses avec des profils plus montagneux. C'est ça, et chaque équipe est différente et malheureusement des fois on va pas trouver son équipe dans une équipe et des fois le fait de changer de crèmerie ça permet de d'être plus heureux et de s'épanouir et de passer les échelons, donc faut malheureusement tout le monde est différent, donc chaque équipe changement fait du bien. Exactement. Je pense qu'il y en a besoin. C'est pas bien de rester trop longtemps dans la même équipe. Après, on va pas dire qu'on s'enterre, mais des fois, ça aide pas. Sauf si après, on vient pour un capitaine de route, ou là, on vient plus pour former les jeunes. Ce qui est important, comme on voit à La Roche, le fait d'avoir, par exemple, Clément, j'ai pu courir avec lui. Quand Clément est en forme, on sait qu'au départ, au briefing, on va rouler pour Clément. On sait qu'il a quasiment pas une chance sur deux de gagner, mais il a de grosses chances. Donc c'est toujours... motivant au départ quand on sait qu'au briefing on a un rôle bien défini à faire et de travailler pour son leader qui a des grandes chances de gagner, c'est toujours un plus et c'est motivant et on va toujours chercher plus loin dans l'effort et ce qui est primordial pour surtout dans le vélo qui est un sport très très exigeant, donc il faut toujours aller chercher au plus profond de soi pour aller chercher des résultats. Là, vous parlez du Tour Savoie-Mont-Blanc, épreuve désormais organisée par Pierre-Maurice Courtade, qui est également l'organisateur du Tour de la Provence et aussi vice-président du Rassemblement des organisateurs de courses cyclistes professionnelles, aux côtés de Thierry Adam, le directeur adjoint du Tour de France. Et pour l'instant, situation de course inchangée sur ce circuit des plages vendéennes. Toujours 7 hommes installés en tête, l'écart aussi entre 25 et 35 secondes actuellement.
On a eu un message de Johan Pomar sur notre téléphone qui nous dit qu'il est sur la course et qu'il nous remerciait pour le petit clin d'œil qu'on lui a fait avec son fils qui est à l'avant de la course, qui me fait belle allure pour l'instant, hein, ouais. qui n'a pas l'air de coincer du tout. Thibaut Pomar qui collabore très bien, qui fait sa part de travail à l'avant, le coureur de l'UCI Cholet 49. Ouais, il prend de la caisse et... Qui est allé chercher quelques classements annexes. C'est ça, et souvent là, les gars ils sortent de stage, ils sortent tous d'une préparation, donc ils étaient maintenant toutes les équipes, que ce soit DN2, DN3, DN1, ils vont tous en Espagne. Donc ils sortent tous de 10 jours de stage au soleil, donc c'est bien de venir sur les plages et avoir envie de taper dedans, et c'est en tapant dedans, prendre des échappées, passer des relais et pas être feignant, et c'est comme ça qu'on progresse pour la suite de la saison, parce qu'il faut pas oublier que la saison elle vient juste de commencer, donc c'est à ce moment là où aussi on travaille, on fait les bases pour vraiment les objectifs de la saison en fonction des équipes et des coursiers, donc c'est très important de se montrer offensif et d'y aller quoi. On a aperçu sur le bord de la route Mélanie Briot, directeur sportif de la formation Sojasun, qui justement passait des consignes à ces trois coureurs présents dans le groupe de tête. Mélanie qui auparavant était directrice sportive ou directeur sportif, ça dépend comment on le prononce, au Dinan Cycling Sport. Je crois qu'on dit malgré tout directeur sportif. On dit directeur sportif. C'est-à-dire qu'elle est la seule femme hein, à occuper cette fonction à ce niveau-là. Mélanie qui a été aussi directeur sportif à l'UC Cholet 49. Quand on parle de l'UC Cholet 49 à l'avant, on l'avait vu aussi directeur sportif il y a de cela... Je dirais 4-5 ans. Oui, tout à fait. Elle a dû faire 2-3 ans chez Dinan. Et on va s'approcher des 50 derniers kilomètres. Normalement, lorsque les coureurs vont traverser Saint-Mexant-sur-Vie, eh bien, il restera... autant pour moi. J'avance un petit peu trop vite. Non, il va rester encore une bonne soixantaine de kilomètres. En prochain passage... Sur la ligne d'arrivée, il restera 63 km à parcourir. Et après le prochain passage sur la ligne, on va retrouver au niveau de la route d'Apremont un nouveau point chaud et on risque d'avoir une nouvelle explication entre Thibaut Pomar et il me semble que c'est Léopold Jamin qui est allé disputer le point chaud avec Thibaut. Donc on risque d'avoir à nouveau un sprint pour se répartir les points. Oui, on n'a pas eu les résultats des différents classements points chauds et rush. Je ne sais pas du côté de la régie si vous les avez. Ça me permettrait justement de faire le point et de voir quels sont les coureurs qui ont disputé ces deux classements annexes, à la fois le classement des rushs parrainé par Voisin Construction et le classement des points chauds parrainé par le Crédit Mutuel Océan. L'échappé qui s'entend très bien, ils continuent de faire file montante, file descendante, ils prennent tous leur relais quand même, donc c'est ce qui permet que ça collabore. Et toujours cet homme en tête, pas de changement si concerne la situation de la course. Messieurs, il y a un coureur qui nous semblait être un petit peu en deçà dans l'échappée, on le disait, c'était Maxime Rio. C'est vrai qu'il prend des relais, mais on le voit parfois sauter un petit peu les relais. Alors, soit il n'est pas forcément en parfaite condition, soit il y a un peu de bluff, mais en tout cas, s'il n'était pas en parfaite condition, derrière, il y a une belle carte avec Enzo Boulet. On pourrait peut-être, dans les kilomètres qui arrivent, voir la formation Côte d'Armor rouler en tête de peloton. C'est ça, mais eux, si... Ah, un coureur vient de ressortir ou est derrière le peloton? C'est ouais, un coureur du CC Périgueux-Dordogne qui est parti en contre derrière. Et au vu du style, Julien Lamy. J'ai envie de vous dire que c'est Julien Lamy. Julien Lamy qui avait été... Non, c'est pas lui. Hein. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas Julien Lamy, c'est... Aurélien Pasquet. Le Dossard 125, il me semble. Ouais, à confirmer, mais c'est peut-être bien Aurélien Pasquet. Qui sera donc sorti en contre. Il a tellement l'habitude de voir Julien Lamy à l'attaque. On l'avait vu à l'arrière du peloton en début de course. Hein. Ouais. Ah, c'est bien ça, c'est bien Aurélien Pasquet qui est sorti donc en contre-attaque. Donc nouvelle situation de course.
7 hommes en tête, un homme en contre, Aurélien Pasquet du CC Périgueux Dordogne et le peloton. On n'a pas d'informations sur l'évolution des écarts. Et là, autant vous dire que pour Aurélien, soit il creuse rapidement, soit il va devoir se relever, ou en tout cas, s'il n'a pas d'accompagnement, mission impossible. Ouais, ça va être très compliqué d'être tout seul, malheureusement. Il n'y a personne dans sa roue, donc un effort solitaire, à moins qu'il soit très en forme, mais ça semble quand même compliqué. Devant, ils s'entendent bien. Donc même s'il rentre, à mon avis, il va mettre une grosse cartouche et il risque de mettre du temps à récupérer pour la suite, mais ça risque d'être compliqué pour lui de rentrer quand même. Et sur Radio Tour, on annonçait que l'écart avait augmenté. Mais pourtant, je n'ai pas l'écart. La voiture. La voiture du Vélo Club Chandais. Donc, moi, je dirais même que c'est le club numéro 1. Le club de cœur. On fera une élection. Je pense que personne n'a le même club de cœur si on fait le tour. C'est ça. Et puis, en plus, en Vendée, on est chauvin. Donc, on a quelque chose en plus. On fera une élection sur YouTube. Simon, c'est le VC Chalandais, Brian, c'est le Château et les Herbiers, ouais. Et VC Abrantais. Si on pose la question à Marion Hérault Garnier, ce sera plutôt le club de la Roche-Vendée Cyclisme. Et toi, Simon? Moi, je suis neutre, je suis toujours neutre. Moi, c'est le CO Tour de Vendée, mon club de cœur. C'est un club. CO Tour de Vendée, voilà. On fait pas grand-chose, hein. On organise juste une course qui s'appelle le Tour de Vendée. Parce qu'il est déjà pas mal. On organise juste, comme tu dis. On nous annonce quand même 1 minute et 05, mais derrière, voit que le peloton relance. Il, 1 minute, ça commence à être intéressant et personne ne veut vraiment prendre les choses en main. Donc, Est-ce que personne ne veut prendre les choses en main? Est-ce que personne est en capacité aussi de prendre les choses en main? On sait qu'il y a eu pas mal de chutes dans ce peloton. Il y a beaucoup de coureurs qui ont eu des problèmes mécaniques, qui ont été distancés, qui ont dû revenir. Il y a peut-être aussi des équipes qui finalement n'ont pas ou plus l'effectif pour pouvoir vraiment organiser la chasse en tête de peloton. Pour moi, le problème, c'est surtout que les hommes qui sont à l'avant, qui auraient pu rouler, au final, ils ont tous quelqu'un devant, donc c'est pas eux qui vont prendre la chasse. Donc derrière, ça va être des équipes, on va pas dire de second rideau, mais ils ont pas... Ils n'ont pas forcément l'habitude, en plus. Exactement, donc ça risque d'être compliqué pour eux. Donc c'est pour ça qu'on voit une course de mouvement, ça relance. Donc va falloir être attentif, avoir les coups qui sortent, et pas louper le compte, s'il y a compte. Et le groupe d'échappée qui va passer dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Ils sont à 5 mecs sans survie. Restera donc 63 km 300 d'arrivée à parcourir. Avant ça, la traversée de 5 mecs sans survie, tout à fait. Et on voit le bal des assistants là pour les ravitaillements au niveau des bidons. Alors, on s'attend de rouler. Ouais, c'était la formation Mini Discar Cycling Team, l'équipe belge qui roulait en tête de peloton. On sait qu'il y a une friterie belge ici à Comté. Ils ont peut-être envie de bien fêter la victoire ce soir. Tout à fait. Je crois que ça, c'est que à Bruxelles, d'après ce que j'ai compris, qu'on dit le une fois. Hein. Les Belges qui étaient avec nous ce matin. Les Belges, sinon, ne disent pas ce une fois. Et toujours une 0,5 d'avance pour les 7 hommes de tête. La sortie de Saint-Mexant-sur-Vie, dans quelques instants, l'entrée de Comté. Et vous remarquerez une similitude aussi avec le maillot Mini Discard et la Intermarché. Intermarché ou Anti-Gobert ou Gobert. Anti-Gobert aussi. Ouais. Ok. Et cette équipe, Continental Professionnel, soutient l'équipe de la Mini Discard. World Tour, oui, pardon. L'équipe World Tour qui apporte son soutien à l'équipe Mini Discard Cycling Team. Ils sont passés de Conti Professionnel à World Tour. Les cohortes, ils sont à un peu moins de 3 km d'un prochain passage sur la ligne d'arrivée. On rappelle, 7 hommes en tête, une 0,5 d'avance. On vous rappelle la composition de ce groupe de tête. On retrouve là Antonin Corvezier pour la formation Vendée U Pays de la Loire. Maxime Rio pour la formation Côte d'Armor Marie Morin U. Il y a 3 coureurs de Sojasson Espoir avec Adrien Garel, Léopold Jamin et Lilian Jouajan. Le coureur de Cholet, de l'UC Cholet, donc Thibaut Pomard. Et puis pour le team LMP, la Roche Vendée Cyclisme, le leader du classement général de l'épreuve. Théo Menant et l'échappé qui fait son entrée dans la commune de Comté.
Et on a toujours un homme installé en contre derrière hein, pour le CC Périgueux Dordogne. Aurélien Pasquet, mais qui serait apparemment sur le point d'être repris par la tête du peloton. Ouais, là il va lâcher de la gomme sinon tout seul. Et on voit Théo Monon qui s'étire un petit peu à l'arrière du groupe. C'est les crampes ça. Et les cohortes vont dans quelques instants passer sur la ligne d'arrivée. Et donc on le rappelle, il restera un peu plus de 60 km à parcourir, 63 km. Attention, rappel 50 en ville. Hein. Et on va pouvoir prendre un écart sur la ligne au passage. Apparemment, dernier écart annoncé, 50 secondes. Donc sur 4 cohortes qui sont sortis. Donc derrière Nicolas Marceroux pour la formation vendéenne, Tom Porsmus pour Mini Discar Cycling Team, Ludovic Maurice pour Bretagne Sud Cyclisme et Julien Lamy. Voilà donc les 4 coureurs qui eh bien, sont sortis à l'instant. Donc en contre derrière qui sont pointés à 50 secondes. Le peloton lui est pointé à 1 minute et 5 secondes. Et dans ce contre, on ne voit encore pas hein, les formations de N1 comme l'Oudéac ou Laval. On est encore piégé. Il y a juste Vendéhu qui a réussi à replacer un homme. Mais sinon, on n'a que des formations qui ne sont pas représentées encore à l'avant. C'est ça. Et en plus, les équipes, les DN1, hier, ils avaient la Coupe de France. Donc, ils n'ont pas aussi leur, on va dire, leur, les, des fois les 7. Les hommes en forme de leur équipe, les 7 meilleurs du moment, donc des fois ils risquent d'avoir peut-être des hommes un peu qui ont des méformes actuellement, donc peut-être qu'on n'a pas les capacités de rouler derrière. Ouais, le groupe de Conti est sur le point d'être repris par le peloton, hein. Le voilà au passage sur cette ligne. Julien Lamy encore une fois à l'avant, Clément Orsout y a fait l'effort, Baptiste Constantin aussi. Et il passe avec un retard d'une cinquantaine de secondes donc sur les 7 hommes de tête. Ouais. Pour être précis, retard donc au passage 45 secondes. Peloton très étiré. Et on voit bien Clément Orsault qui suit tout de suite derrière les coups. Donc ça montre bien que derrière l'entente ne doit pas être si bonne parce que sinon Clément il serait pas forcément en train de bouger dans des coups. Donc là on voit bien que derrière ça peut être compliqué au final pour rentrer. Donc on va voir si derrière le fait d'avoir une course de mouvement permet de réduire l'écart, mais ça peut durer longtemps. Et le contre a été repris par le peloton, tentative terminée. Et là on va avoir une petite explication d'ici 3-4 km pour le prochain point chaud qu'on avait vu disputer entre un coureur de Sojasun, il me semble Léopold Jamin, et Thibaut Pomard. Et comme à chaque fois, hein, lorsque les coureurs sortent de Comtier, lorsque le peloton sort de Comtier, c'est un peloton très étiré. Et on le voit, il y a deux grosses phases hein, qui sont assez similaires au fil des tours. Dès qu'on passe sur la ligne d'arrivée, avec cette portion après la ligne qui est assez rectiligne, on voit que ce petit groupe de tête perd du temps. Et à chaque fois, après le passage de Coex, à remonter jusqu'à Saint-Mexan, on voit un passage qui est favorable aux échappés et qui souvent on vacille entre plus 30 et moins 30 secondes en fonction de ces deux parties de course. C'est ça, et là on nous annonce que le peloton est très étiré et que ça roule à vive allure, donc l'écart risque de diminuer. Là ça fait 43 secondes d'écart. Je pense qu'on est dans la gestion aussi devant au niveau de l'échappée, hein. On voit que on augmente, on appuie un peu plus fort les relais quand on voit la voiture de derrière, la voiture du Vélo Club Chalandais repasser à l'avant. En tout cas on gère correctement de sorte à ne pas se mettre dans le rouge. Là je vois aucun des échappés pour l'instant qui est vraiment prêt à coincer. Donc je pense que l'effort est bien géré aussi devant et le peloton va avoir fort à faire quand même pour tenter de revenir sur ces 7 hommes de tête où finalement comme on le disait tout à l'heure, mais il n'y en a pas un qui paraît plus faible que l'autre à ce niveau-là de la course. C'est ça, après chacun, ils calculent pas leur coup de pédale, mais chacun, ils ont pris leur rythme et chacun passe son bout de relais sans trop en mettre, juste histoire de maintenir l'allure. De toute façon, ils savent très bien que c'est pas eux qui gèrent l'écart, ça va être plutôt le peloton qui gère l'écart avec eux. Donc, et on verra par contre si ils ont toujours autant d'avance à un tour de l'arrivée. À mon avis, là, ils risquent de vraiment tous se mettre un effort un peu plus maximal et pour essayer de maintenir l'écart. On va voir la stratégie de Sojasun aussi qui risque d'être très active en fin de course.
On a l'habitude dans des finales comme ça d'avoir des formations surreprésentées. Là, c'est Sojasen. On avait eu le dimanche dernier le Vendée U qui était surreprésenté. Si on prend le cas d'une autre course, on avait la Flèche Bigouden, une razzia des Côtes d'Armor. Donc forcément, être à 3, c'est un atout. Maintenant, il faut savoir comment distribuer les cartes quand on est à 3. Il faut bien causer avant, savoir qui est le plus fort, qui est le plus rapide. Bon, les gars là, le savent très bien. Mais c'est vrai qu'on arrive au bout de 150 km de course, le final 147. Et c'est des distances qu'on n'a pas fait en course jusque-là. Toute la semaine, on avait 120 km. Et des fois, c'est 20 km de plus. Ben, c'est des courses qui se font à la moelle. Et le plus rapide intrinsèquement n'est peut-être pas le plus rapide au bout de 147 km. Et l'écart qui continue de diminuer, une quarantaine de secondes désormais d'avance pour les 7 hommes de tête sur l'avant-garde du peloton. Comme à chaque fois qu'on est sur la sortie de comité sur cette grande route, hein, on voit le peloton qui a en ligne de mire du coup la tête de course. On augmente l'allure et souvent l'écart réaugmente par la suite. Alors que derrière on annonce eh bien que Vadim Deslandes, le coureur des sables, a été victime d'une crevaison dépannée par son directeur sportif. C'est ça, et malheureusement l'écart n'a jamais été au-delà d'une minute, donc ils n'ont pas eu... leur directeur sportif qui a pu remonter à leur hauteur, donc ils n'ont pas forcément eu les consignes. Donc au final, chaque coureur passe son bout de relais, mais sans avoir vraiment eu les consignes après de son directeur sportif pour les tactiques. Donc là, pour l'instant, ils restent sur un schéma, à mon avis, team briefing, ce qu'ils ont eu comme information. Et là, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment d'informations, à part l'assistance au bord de la route qui va donner 2-3 conseils, mais ce sera juste ça. Donc, très bref, hein. C'est vrai, comme tu le disais, ouais, que les voitures n'ont pas encore eu la possibilité de remonter à la hauteur des coureurs. Non. Et donc les consignes qui pourraient évoluer en fin de course n'ont pas été données ou que partiellement aux coureurs de tête. Et on reste sur le schéma qui avait été donné au brief, donc c'est-à-dire on roule pas, on accompagne pas. Mais en tout cas, on n'a pas de nouvelles précises. Et ce que peuvent donner les assistants comme info, ça reste oral. Et forcément, un assistant qui va donner l'info sur le bord de la route à un coureur va se faire entendre de l'ensemble du groupe aussi. Donc les consignes auprès du DS, c'est déjà un peu plus discret. Et ça permet de discuter, de mettre la main à la poche aussi, d'en profiter pour faire une petite poussette légère au niveau de la voiture et de se ravitailler en bidon. On a vu quelques directeurs sportifs couper le circuit, et l'image de Sojasen, on a vu la voiture qui coupe pour justement passer des consignes, mais comme vous le disiez, tout le monde peut les entendre au passage. Pour que les directeurs sportifs puissent passer, il faut que l'écart soit au moins supérieur à 45 secondes. Ça a été le cas, mais pas suffisamment longtemps pour qu'ils attendent de doubler le peloton et de se porter à hauteur des hommes de tête. On a vu là le passage. Ouais, c'est Thibaut Pommard qui est venu chercher les points. Vous avez vu aussi Maxime Rio, il me paraissait dans le dur. Hein. Quand ça accélère. Et c'est pour ça, Maxime Rio, je pense qu'il n'est pas forcément dans de bonnes conditions et je pense que Côte d'Armor pourrait embrayer à l'arrière du peloton et jouer la tarte de Enzo Boulet. Thibaut Pommard de l'UC Cholet 49 qui pourrait bien être le vainqueur du classement des points chauds à l'issue de l'épreuve, ça reste à confirmer, mais il est passé au moins deux fois en tête de ce qu'on en a pu voir. Il semble que tout à l'heure il avait devancé Léopold Jamin de Sojasen, donc je pense que du côté de Léopold on s'est résigné à prendre la deuxième place, ou en tout cas il a vu que Thibaut était peut-être plus rapide que lui sur les classements points chauds. On s'est peut-être occupé du classement des rushs et du côté de Soja on vise peut-être aussi à la stratégie d'équipe et commencer à économiser ses forces. Il va falloir lâcher quelques brèches après derrière intelligemment. Mais il ne faut pas le faire trop tôt non plus. On avait vu le Vendée U à Notre-Dame-de-Mont serrer l'éventail très tôt, dès le deuxième tour, avec la vingtaine d'hommes de tête. Et finalement, on avait fait sauter Cotard et Dervaise. On avait fait sauter deux Côtes d'Armor. Donc on n'avait plus que Costiou à l'avant. Et Côtes d'Armor, en n'ayant qu'un seul homme devant, s'était remis à rouler derrière le peloton, avait redistribué les cartes. On avait vu un contre qui était revenu, alors que finalement, ça devait jamais revenir quasiment. On avait plus d'une minute d'avance. Donc il faut faire attention. Et je pense que pour la formation bretonne, on va attendre d'avoir un brief bien stratégique pour pouvoir commencer à redistribuer les cartes en tête de course. Et on voit le peloton très attiré avec deux coureurs qui tentent maintenant de sortir en contre-attaque. Dinan, il me semble. Ouais, je crois que c'est encore Dinan avec peut-être l'Ouest Saint-Herblain à confirmer également qui tente de relancer l'allure à l'avant de ce peloton. L'écart est toujours stable, une quarantaine de secondes entre les 7 hommes de tête et le peloton actuellement. Il faut dire qu'il y a aussi des coureurs qui n'ont pas forcément envie que cela se termine en sprint, notamment dans le groupe d'échappée. Il y a Théo Monan qui, forcément, en cas d'arrivée à 7, pourrait tirer son épingle du jeu. Ouais, bien sûr. Après, on pense à Théo qui lui, une arrivée au sprint le favoriserait, mais ils vont pas tous être dans ce schéma-là. Et on en profite pour vous passer une courte page de pause.
courte page de pub, pardon. Oui, avec Paysalis. Paysalis, une équipe de passionnés, aménagement paysager, entretien, taille, tonte et élagage. Paysalis, vous avez un projet de jardin, bien contactez-nous au 0251, mais j'ai pas le nom dans le numéro du coup. Bon, ben, voilà, contactez Paysalis. À Soulan. Voilà, à Soulan. Non loin d'ici. Et donc, on le disait, il y a des coureurs qui n'ont pas forcément envie que ça termine au sprint. On pense à des coureurs comme Antonin Corvezier, par exemple, qui, lui, je pense, prônerait une accélération sur une partie un peu difficile, notamment haut d'un faux plat. Et après, à Couex, après le virage un peu bien serré. Sûr. Et puis après, essayer de la jouer un peu à la baroudeur, en coup de force. Ou alors partir dans le dernier kilomètre en sachant qu'on a quand même un beau faux plein au niveau de l'arrivée, ça peut aussi l'avantager. Par contre, on risque d'avoir pareil un Thibaut Pomard. Je pense que l'idée, ça va être la même qu'Antonin Corvezier. Ça serait de s'isoler avec éventuellement un Sojasen pour que derrière on fasse rideau. Mais il y a des garçons comme Adrien Garrel ou comme Théo Menant qui ont quasiment la même pointe de vitesse. On avait vu Théo prendre la première place à Chaland, d'ailleurs ça se regarde en ce moment. Et on avait vu Adrien prendre la deuxième place. On avait Théo devant Adrien et à la photo finish. Donc concrètement, on a quasiment les deux mêmes pointes de vitesse. Théo est seulé et n'a pas de coéquipier par contre. Et par contre, Adrien dispose de deux autres cartes qui pourraient aussi s'isoler comme Léopold, Jamin ou Lilian jouant Jean. C'est ça, et comme cela sonne, il faudra qu'il la joue, s'ils arrivent comme ça, il faudra la jouer fine, parce que arriver au sprint, tout jouer pour Adrien, ça risque d'être compliqué, parce qu'au final, il y a Théo. C'est risqué. C'est très risqué, donc à mon avis, ils feront plutôt une course de mouvement, mais on n'en est pas là. Je pense quand même que le peloton risque d'avoir au moins quelques coureurs qui vont quand même faire la jonction, soit tout le peloton, soit une seule partie du peloton, quoi. Un peu ce qu'avait tenté. Ça discute entre Théo et Antonin Corvezier. Et Antonin, ils regardent, ils se connaissent très bien, comme on disait les deux. On a passé un bout de la soirée ensemble hier soir avant qu'ils prennent le chemin du lit et qu'ils aillent dormir pour se reposer avant cette dernière étape. Mais on discutait avec Antonin, Théo et Lucas Boniface aussi, le sprinter du Vendée-U, Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on a des garçons qui se connaissent très bien, qui se côtoient. Sur le vélo, mais pas que seulement, dans la vie en général. Et sur le vélo, maintenant on est adversaire, donc c'est pas la même chose. Mais là, on se retourne derrière. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'on a une vive accélération du peloton ou que les directeurs sportifs ont été autorisés à remonter derrière. Je pense pas, 40 secondes, c'est le peloton qui est en train de revenir. Qui est à 10 secondes là. Ouais, on n'a pas eu d'informations sur Radio Tour, mais le peloton est en train de rentrer. J'ai l'impression qu'il donnait un coup de main derrière. Côte d'Armor, il y a Dinan aussi qui est venu rouler. Et là, on se regarde encore. On a l'échappé en ligne de mire il y a à peine 10 secondes. On voit un coureur de soja qui est là pour couper. Ouais. Ça se regarde et ça fait. On a aussi des coureurs de Morbihan. On a aussi des coureurs de Fimbulia Morbihan qui roulait. Et comme tout à l'heure, en fait, les 15 dernières secondes sont les plus compliquées à boucher. On a l'impression d'être rentré, mais on n'est pas rentré. C'est un coureur d'Avranches qui relance. Et il me semble que c'est Aurélien Lelay, hein, l'ancien coureur de Côte d'Armor l'an dernier, qui, il me semble, s'était imposé sur la flèche Bigouden avec Côte d'Armor Marie Morin. Et on voit tout de suite un Vendée-U hein, qui vient dans sa roue. Ouais, pris en chasse. Et Vendée-U, on relaie. Hein. On relaie, on regarde avant si on emmène du monde ou pas. Mais on est dans l'optique, en tout cas, de recréer du mouvement pour le Vendée-U. On sait bien, on a le grand Loiseau aussi à gauche, là-bas. L'increvable, toujours là. On voit Enzo Boulet, qu'on aperçoit entre deux, avec le pivot de fourche rouge. Et qui est bien accompagné, Enzo Boulet, hein, entouré par des équipiers du côté de la formation Côte d'Armor Marie Morin. On n'arrive pas à boucher ces quelques secondes à chaque fois. Hein. Là, Lucas Grolier qui relance. Tout seul, pour l'instant. C'est ça, si on veut rentrer, on peut faire le jump avec 10-15 secondes et un homme seul peut faire, sans mettre trop d'énergie, il peut boucher le trou. Et ça ressort derrière avec un coureur de Fibolia Morbihan, il me semble. Et là, le but pour Lucas, c'est de ne pas se poser de questions et d'amener le minimum de monde avec lui et voir s'il pouvait rentrer tout seul. Mais par contre, il faut qu'il rentre le plus vite possible parce que... Tout le temps qu'il passe tout seul entre l'échappée et le peloton, c'est des cartouches gaspillées. Donc c'est pour ça, faut faire vraiment le forcing pour rentrer. Ouais, ça va rentrer. Hein. On a vu ce Jason qui emmène effectivement le peloton qui a vraiment aux lignes de mire
Les 7 en tête, on ne panique pas dans le groupe d'échappée. Et non, et là on roule plus franchement, on passe Serlet quand même, mais on n'est pas affolé hein, par la situation. On voit Antonin Corvézier qui j'arrête de rouler. Normal, il a vu son coéquipier qui était en train de rentrer, donc ça c'est très bien. Il a regardé, il s'est informé de ce qui se passait derrière, il fait pas que ça arrive peut-être de rentrer, j'ai l'impression, du côté de Sojasson aussi. Là, on va arriver dans un moment stratégique parce qu'on va repasser dans le bourg de Coex et c'est peut-être là où la décision avec un gros compte pourrait se refaire parce que si on va retomber sur une petite route et que derrière ça se relève, on pourra avoir du mouvement de l'avant à nouveau. Et on a vu Lucas Grollier hein, qui est en train de rentrer. Et du coup, là, on risque peut-être de remettre en route directement avec Antonin Corvézier. Théo qui remet en route menant directement. On va peut-être laisser un peu d'accalmie pour Lucas, mais ce petit coup de burin pourrait profiter à l'équipe du Vendée Pays de Loire. Oui, et qui pourrait prendre un peu l'avantage en mettant du coup deux hommes à l'avant là, pour faire face aux trois Sojasson. La traversée de Coex, ça va être très rapide. On a Théo qui remet un peu attention, de gaz là, on devant. On va arriver dans la partie avec ce petit virage très serré sur la droite. C'est là où ça peut être profitable. Si on freine pas dans l'échappée, on peut le passer vite. On va voir derrière. C'est Théo Menon qui emmène. Antonin Corvézier en deuxième position. Il va virer directement après eux. Alors, on va voir là dans la montée si on aperçoit l'avant-garde du peloton ou non. Et Théo qui mène en relance. On a repris un peu de temps. Et si Maxime Rio repasse le relais, ouais, on le voit repasser. Ouais, c'est étonnant. Hein. On a l'impression de le voir à la peine dans des parties finalement qui paraissent plus ou moins faciles. Et par contre, dans les relances, après il est toujours bien placé intelligemment. On voit les relances sur la droite en faux plat montant. Il vire deuxième, il vire pas dernier. Et par contre, là c'est Thibaut Pommard. Non, c'est Lucas Grollier qui est un peu à la peine. Là, Thibaut Pommard aussi. Hein. Thibaut Pommard, il a un peu de difficulté aussi à l'arrière du groupe. On le voit pour le Sécholet 49. Et là ça fait mal. Et derrière, on voit que ça roule plein fer. Hein. On a encore un coureur qui est en train de rentrer tout seul. J'ai l'impression que c'est un coureur du Vélo Club Lucéen et je me demande si c'est pas Mathieu Urbain à l'allure là. Et le peloton est juste derrière. Ouais, mais il est pas rentré encore. Hein. Non, ça n'est pas encore rentré, il y a encore rien de fait pour l'instant. On recommence à rouler du côté si de Soja devant. Le schéma de Notre-Dame-de-Mont, on est rentré quasiment comme ça, exactement pareil avant de reprendre le bout de marais. Et c'est là où ça a explosé avant de reprendre les 8 hommes de tête. Hein. Donc là, on n'est pas rentré pour le reste hein, du groupe. Et c'est un coureur de qui est en train. Et là, on a encore un petit groupe d'une dizaine d'unités derrière hein, qui s'est détaché. Ouais, mais ça se regarde. Ça se regarde dans ce groupe. Il y avait on des coureurs pas y de Côte d'Armor. Le Soja va pas rouler. La Côte d'Armor non plus. C'est un coureur de Chartres hein, qui est rentré. C'est pas Baptiste Constantin. Ah, c'est Chartres Cyclisme qui viendrait donc mettre un coureur à l'avant. C'est un coureur de Chartres au vu du maillot. On voit que Thibaut Pommard a sauté son relais, il a l'air d'être dans le dur. Ça commence à tirer, on parlait des kilomètres, 150 km, ça va faire mal dans le final, on n'a pas l'impression, mais le circuit est quand même un peu usant et devant, ils sont devant déjà depuis le premier tour, donc ils commencent à mettre beaucoup d'énergie. Alors, quel est le coureur qui est rentré pour Chartres ? Pour l'instant, on reste à l'arrière du groupe. J'ai l'impression qu'ils sont deux. Ils sont deux à être rentrés de Chartres. Hein. Il y a deux coureurs de Chartres qui sont rentrés à l'avant. Deux coureurs ? Ouais, j'ai bien l'impression qu'il y a deux coureurs. C'est pas un Côte d'Armor ? Ah non, tant pour moi, c'était Maxime Rayot. Vous avez raison, j'ai oublié Maxime Rayot, qui est aussi avec un maillot bleu. Il me semble que c'est bien Maxime Rayot. Et peut-être. Marion, je me demande si c'est bien Lucas qui est rentré, mais il me semble que c'est Lucas Grollier. Hein. J'ai l'impression que c'était Lucas. En tout cas, c'est Lucas qui était sorti. Est-ce que c'est bel et bien lui qui est rentré par la suite ? À l'allure, c'est pour moi, c'est Lucas. Faut regarder les lunettes. Non, c'est à l'allure, c'est lui. Ils sont trois hommes à être sortis derrière, il me semble, en contre. Ah ouais, ça bouge beaucoup avec derrière. Avec un Sojasson, il me semble, encore. Pour moi, c'est bien Lucas aussi. Hein. Donc là, faut tout de suite retrouver une entente, parce que c'est là où ils peuvent recreuser tout de suite. Mais par contre, on voit que derrière, c'est quand même compliqué derrière. De boucher les... On le dit toujours, les derniers 100 mètres, les derniers 200 mètres, ce sont les plus durs. Donc ce qu'a fait Lucas de gicler tout seul, c'était très bien de... Donc on va savoir qui c'est. C'est Baptiste Constantin. Tout à fait. Coureur d'expérience aussi. J'ai l'impression que derrière on sort, on se relève, on sort, on se relève. On n'arrive pas forcément à bien s'organiser, à bien s'entendre. Et là on a du renfort de luxe. Hein. On voit Baptiste Constantin directement en expérience qui va passer Serlet, qui est dans le dur, mais qui les passe directement pour pas désorganiser le groupe de tête et pas montrer que lui saute des relais directement. Pareil pour Lucas Grollier. On y retourne aussi. Et finalement, on voit un petit groupe derrière qui
Le peloton est juste derrière. Le passage d'un coex finalement a été encore un endroit stratégique à l'image de Notre-Dame-de-Mont où on rentrait dans le marais, là on rentrait dans une commune et du coup un passage sinueux propice à une échappée, propice à un mouvement sur le devant et on voit encore deux hommes qui ont réussi à faire le jump et derrière c'est le chantier, plus d'organisation, on était rentré à 100 mètres sur la grande route, personne pour venir boucher le trou et puis finalement ça se fait pas. Mélanie Brio qui donne un bidon aux deux Sojasson, est-ce qu'il y a les consignes? Non, il n'y a pas les consignes de marquer sur les bidons comme faisait le Vendée U. Encore, c'est ça, on avait des petits mémos techniques. On avait l'assistant qui avait le petit papier avec le petit mot qui allait bien, bordure, des petits mots comme ça, ou tel kilomètre fallait mettre en route. Donc c'était des petits moyens pour savoir ce qu'il fallait faire ou à quel moment ou pour être organisé. Parce que il n'y a pas d'oreillette, donc quand on est à l'avant et quand on est dans le peloton, c'est et pas tout le temps ce qui se passe, donc ça permet d'être informé tous en même temps. Et Baptiste Constantin, coureur expérimenté, hein, qui avait porté durant deux saisons les couleurs de la formation Saint-Michel-Aubert 93. Il est passé aussi par l'Union Atlantique récemment. La formation nantaise, avant qu'elle soit continentale professionnelle. Il connaît bien le circuit des plages andaines. Il avait été chercher une deuxième place sur le circuit des plages Chantonnay il y a quelques années. On voit Lucas Groly à l'œuvre. J'ai l'impression qu'on cherche aussi à travailler pour Corvèze, qui m'a l'air bien. On l'a vu mettre un coup de burin aussi. Lucas demande des relais. Et maintenant qu'on a réussi à replacer deux hommes du Vendée U devant, j'ai l'impression qu'on cherche à faire la différence. 2 contre 3, la bataille est pas par égal, mais au moins on a rétabli un peu de marge et on est surtout en supériorité finalement par rapport aussi aux autres équipes qui figurent dans l'échappée. On en profite pour vous passer une courte page de pub avec la région des Pays de la Loire. Peut-être. Qui s'entendent ? Ouais, 9 hommes en tête avec, on l'a dit, hein, le retour à l'avant de Baptiste Constantin pour la formation Séchartre Cyclisme. Et le peloton qui n'a pas réussi à boucher, un peloton qui est revenu à seulement une dizaine de secondes des hommes de tête. Et ça n'a pas été suffisant. On voit Thibaut Pomard hein, qui reste à l'arrière du groupe, le coureur de Cholet, qu'on sent un peu esselé depuis quelques kilomètres maintenant. Voilà Thibaut, c'est sauf qu'il peut. Il va passer les relais comme il peut, il va essayer de filocher intelligemment et entre guillemets tout faire au métier. Parce que là, il va avoir 3 Sojasson contre lui, 2 Vendée U, dont Lucas Groly qui a fait des efforts mais qui n'a pas trop tergiversé quand même pour rentrer, qui a mis une grosse minute à faire le jump et puis sinon il a que des coureurs rapides autour de lui donc maintenant l'objectif pour lui ça va être sauf qu'il peut de battre des ailes et d'arriver à s'en sortir avec tout le gratin qu'il a autour de lui. Et pour l'instant on n'a pas d'informations en ce qui concerne le dernier écart entre la tête de course et l'avant-garde du peloton. On a une info par contre, c'est que la tête de course est au kilomètre 100, donc il leur reste 47 km et c'est fini pour Thibaut Pomard. Ouais, Thibaut Pomard distancé. On voyait qui commençait à tirer la langue et... Il relance un coup, mais c'est fini, il a plus rien. Ah, il a fait l'apprentissage, hein. Ouais, déjà, le cap des 100 km, hein. 100 km devant à la bataille, on a eu un début de course très dur, et là il est peut-être pris de crampe aussi, on voit que musculairement ça a l'air de tirer. Il est encore jeune, hein, 19 ans Thibaut Pomard, on le disait. Par contre, il a bien appris, il a correctement couru en passant serlet, entre guillemets. Et c'est ça, il était peut-être pas bien, mais par contre on pourra dire, malheureusement pour lui, il aura quand même passé tout serlet. Et... Bien sûr, il était pas feignant. Exactement. Et normalement, si on se trompe pas, il devrait être sur le podium pour le classement des points chauds. Il sera certainement sur le podium pour le classement des points chauds. Mais il doit remporter le classement des points chauds. A voir si il y a un... Non. Non, il n'y a plus de classement points chauds. Il n'y a plus de points chauds à se disputer.
En tout cas, Thibaut Pommard a été distancé de la tête de course à l'instant. Le coureur de l'UC Cholet 49, mais qui devrait monter être sur le podium. Donc ils sont plus que 8 à l'avant. Et on les rappelle, hein, ces 8 coureurs, donc ils sont désormais 2 pour la formation Vendée U, avec Antonin Corvézier et Lucas Grolier. On retrouve toujours Maxime Rio pour la formation Côte d'Armor Marie Morin U. 3 coureurs toujours pour l'équipe Sojasun Espoir, avec Adrien Garel, Léopold Jamin et Lélian Jouan-Jean. Toujours donc la présence de Théo Menant pour le team NMP La Roche Vendée Cyclisme, leader du classement général de l'épreuve. Et puis est venu donc s'ajouter Baptiste Constantin pour la formation C'est Chartres Cyclisme. On a vu aussi Théo se retourner à de nombreuses reprises. Bon, Théo, c'est pas le genre de gars à avoir un rictus au visage quand il est pas bien. Mais on se demande comment ça va dans les jambes. On a vu l'ardoisier passer, j'ai pas aperçu l'écart. 30 secondes. C'est remonté, hein. 30 secondes désormais, alors qu'on est à l'entrée de Saint-Mexant. Il reste 45 km à parcourir. On va repasser sur la vie. Tout à fait. Là, l'échappée, on va peut-être maintenant vraiment la prendre au sérieux et se dire qu'elle va peut-être aller au bout, car derrière, ça... c'est pas rentré et ça aura certainement beaucoup de mal maintenant. Donc avoir vraiment l'échappée commence à devenir vraiment très très sérieuse là. Même des formations qui s'étaient mis finalement à l'œuvre pour rentrer, comme Laval Cyclisme, le VCP de l'Oudéac, Océanu Top 16 ou même WB Fibolia Morbihan, ben, on se rend compte qu'aucun n'a réussi à faire le jump. C'est ça, ils ont loupé le coche, malheureusement pour eux, ils ont roulé mais ils n'ont pas réussi à faire le jump comme a pu faire le Vendée U, comme a pu faire... Chartes cyclistes, et c'est dommage pour eux car ils ont mis des cartouches inutiles, donc ça va peut-être jouer en leur défaveur dans le final. Et Baptiste Constantin, j'ai l'impression qu'il écrase, hein, parce que là il nous a fait une relance. Derrière, on a vu Théo qui a viré en 9ème position et on a vu un groupe de tête, mais finalement très très étiré. Il a même eu le temps de se relever un peu pour attendre ses coéquipiers, enfin ses collègues d'échapper d'ailleurs, pas ses coéquipiers. Et la tête de course à la sortie de Saint-Mexant sur vie, ils sont à un petit peu plus de 2 km du prochain passage sur la ligne d'arrivée. Et lorsqu'ils vont repasser sur la ligne d'arrivée, bien il restera 42 km à parcourir. On va entamer les 2 derniers tours de circuit. Et vous avez vu sa discute entre Baptiste Constantin et Théo Menant. On s'est regardé en faisant un petit geste des bras, l'air de dire t'es tout seul, je suis tout seul, on peut peut-être s'arranger pour la fin de course. C'est ça, mais bon, on voit bien l'échapper aussi, ils commencent tous à compter leurs coups de pédale, ils attendent le relais, ça commence à devenir peut-être plus compliqué aussi pour eux, les jambes commencent peut-être à piquer, donc ils calculent vraiment tous les coups de pédale, comment ça va courir, est-ce que ça va rentrer. Donc ça va commencer à jouer peut-être tactique aussi, donc ça va être intéressant, va falloir suivre ça de près. On a quand même une belle homogénéité au sein de l'échappée, on voit que, comme tu disais Simon, hein, ça commence à compter ses coups de pédale, mais on a un bout de travail de chacun des membres de l'échappée. Pour l'instant on rechigne pas à la tâche. On ne réfléchit pas à savoir si l'équipe est surreprésentée ou non. On tourne. Bon, là pour Lucas, on prend le temps. Tiens, là, tac. On remet les lunettes. Hop, un petit coup. Pour qu'elles soient bien propres. On l'avait vu, hein, Lucas, sur un cyclocross couvert de boue. Il avait quand même lavé les lunettes pour bien les montrer. Il avait lavé les lunettes pour la photo. Ouais. Il pense à tout. Hein. Il pense à ses partenaires. Il y a un coup pour se retourner derrière. Mais en tout cas. Lui a fait le jump intelligemment, à l'image aussi de Baptiste Constantin qui lui a attendu vraiment le bourg de Coex. Je pense qu'il a dû virer très vite en bas et faire la relance très fort pour amener personne avec lui. Et à la bascule, en fait, on l'a vu rentrer directement quasiment. Bah, c'est ça, il a très bien joué. Et là, on entend, c'est Laval qui roule. Donc ils mettent beaucoup d'énergie pour que ça rentre, mais ils arrivent toujours pas à faire la jonction. Non, jonction qui n'est pas faite, hein, toujours une trentaine de secondes d'avance pour les hommes de tête. Ils sont dans la montée d'arrivée, dans ce faux plat qui mène donc à la ligne d'arrivée. Et on est rentré dans le dernier kilomètre. Et on va avoir le cinquième, quatrième passage sur ligne. Ça va être le cinquième passage. Il va rester 2 tours, 2 circuits. Et donc, ça cause, hein, avec 42 km. Baptiste Constantin et Lucas. Lucas joue fine aussi, hein, il sait bien faire.
Il sait bien faire, là il aime bien aussi les grimaces, hein. C'est un coureur caractériel qui a de sacrées expressions de visage et qui a une belle pointe de vitesse aussi au sprint, qui va plus vite qu'Antonin Corvezier, qui s'inscrit pas totalement dans le même registre, mais qui aurait une belle carte aussi à jouer en cas d'une arrivée en sprint en petit comité. Bien sûr, il va intrinsèquement moins vite hein, qu'un Adrien Garrel ou qu'un Théo Menant, mais on sait jamais avec une course rendue difficile par tout le déploiement qu'ont dû donner les hommes de tête depuis le début de la course, les cartes peuvent être établies. Et derrière, on voit le peloton qui arrive à plus d'une vingtaine de secondes et emmené par Lucé Briochin, donc l'équipe de Fabien Schmitt. On a vu trois équipes, hein. Lucé Briochin, Océane Top 16 et Laval Cyclisme 53 Tiroulet en tête de peloton. Il reste donc deux tours maintenant de circuit, un peu plus de 40 km encore à parcourir, et les cartes restent stables pour l'instant, toujours une trentaine de secondes. C'est ça qu'ils ont compris, derrière ils unissent leurs forces pour pouvoir rentrer, pour pouvoir boucher ce trou, ils n'arrivaient pas, donc s'ils s'unissent, ils ont des chances de rentrer plus facilement. Donc on va voir si la route pour aller jusqu'à Quest va être propice pour eux, parce qu'on sait très bien qu'au retour ils ont du mal à s'organiser. Et là on voit hein, l'écart qui n'a pas oscillé plus haut que la minute finalement hein, tout le long de la course. On a même pas eu la chance pour les hommes de tête d'avoir la voiture, enfin en tout cas leur voiture de directeur sportif montée à leur hauteur pour donner d'éventuelles consignes. Et je suis pas sûr que, en tout cas dans les 20 km qui vont venir, les voitures vont pouvoir monter derrière, parce que je pense qu'il va y avoir une vraie bagarre là entre le peloton et la tête, voire avec une éventuelle sortie de certains hommes dans le prochain passage du bourg de Coex. C'est ça. Je suis même pas sûr que la voiture neutre soit passée derrière, hein, vu que non, la voiture neutre est encore devant, il me semble, du VC Chalandais, ouais, j'ai pas vu. Vu que l'écart est encore relativement infime et que ça peut revenir très vite là sur la sortie de Comtier. Et Baptiste Constantin, on a un coureur longiligne aussi, on voit un très beau jeu de jambes. Mais Lucas Grolier qui prend le temps de rigoler à la caméra, un petit sourire, c'est qu'il doit être bien. Toujours le sourire. On le sait, il aime bien sur toutes les photos. Sur toutes les photos qu'il poste, Lucas, il a le sourire. Hein, qui neige, qui pleuve, qui fasse froid ou qui fasse très beau. Alors il ne neige pas aujourd'hui. C'est arrivé hein, au circuit des plages qu'on a de la neige. C'est arrivé, c'était à Fougeray. C'était arrivé à Fougeray où la course avait été une année s'est retardée en raison de la neige. Ouais, j'étais au départ, je me rappelle, c'était vraiment pas drôle. Il s'était arrivé aussi une fois du côté de Chantonnay, la course avait été annulée. Qui se ravitaillait à l'arrière du groupe. Ouais, Théo, la main à la poche. Ouais. Franchement, il court vraiment proprement, il court même presque trop généreusement. Pour 30 secondes, on se ravitaille aussi hein, du côté de Lédion Jouan-Jean. Bon, on voit bien, chaque tour c'est exactement la même physionomie de course. Il risque certainement de se rapprocher. Dans quelques instants, on n'aura pas vu le peloton. Mais actuellement, eh bien, toujours nos coureurs de tête, notre échappé qui tient à son avance avec le peloton. Actuellement installé en tête de l'épreuve, ils ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, un peloton qui n'arrive pas vraiment à s'organiser pour essayer de rentrer sur la tête de l'épreuve. C'est ça, ils butent toujours à une dizaine, quinzaine de secondes, donc là on va voir s'ils se rapprochent. Donc 30 secondes. Adrien Garrel, pareil, a comptabilisé 13 points et Lilian Jouan-Jean n'a lui comptabilisé que 6 points, donc large vainqueur du côté d'Adrien Garrel comme du côté de Thibaut Pomard pour les classements annexes. Oui, il n'y a pas photo aujourd'hui. J'ai l'impression de voir un Côte d'Armor Marie Morin quand l'image se fige à l'écran sur la gauche de la route. Il y a des maillots blancs aussi, hein. Alors est-ce que c'est Dinan encore une fois le club du Poiré Survie hier pour le contre-la-montre par équipe pour l'épreuve masculine et la première épreuve en ligne pour le circuit des plages vendaines féminin. On n'a pas d'informations quant à l'évolution de la caméra. Ouais, avec le groupe d'échappés. Alors j'en profite pour vous rappeler la composition de ce groupe d'échappés. On a deux représentants. Hein. Position de ce groupe d'échappés. On a deux représentants hein, de la formation Vendée U dans le groupe avec Antonin Corvezier et Lucas Grolier. On retrouve
Peloton groupé donc désormais, emmené par la formation Mini Discar Cycling Team, actellement l'équipe belge, donc qui emmène ce peloton. On voit le peloton et... On voit le peloton et bien étiré. Et on approche, hein, on le rappelle, du dernier tour de circuit. De beaucoup de choses à part la vie. Ou en tout cas les commerces locaux et la frite belge. Mais oui, il y a une friterie belge à Comtier qui ce matin parrainait un prix spécial qui a été remis à la première concurrente belge de la première édition du circuit des plages vendéennes féminin, c'était Fiona Mertens. Il me semble qu'on soutenait que le patron de... En tout cas là il est tout seul avec une centaine de mètres d'avance sur le peloton emmené par la formation, c'est Chart Cyclisme. Il me semble encore que c'est Baptiste Constantin avec un Sojasen dans la roue. Sojasen, il pour l'instant il... mine de rien à l'arrière du peloton, le coureur de l'UC Cholet 49, Thibaut Pomar. Donc on le rappelle, vainqueur du classement des points chauds actuellement sur cette sixième et dernière manche du circuit des plages vent. Il réside à Tours et Marlon, je pense qu'en tout cas les plages vendéennes ou regarder du cyclisme en ce moment est le dernier de ses soucis. Non, il m'a envoyé un petit message comme quoi il est en train de regarder le direct, okay. Tout à fait. Ah, on lui passe le bonjour, du coup s'il nous regarde. Et on rappelle toujours un homme en tête. En régie, est-ce qu'on pourrait nous mettre, s'il vous plaît? Alors je ne sais pas du côté de la régie si on a une solution au problème technique pour visualiser qu'on puisse visualiser coup, le final de l'épreuve. On rappelle qu'on a deux coureurs qui sont sortis, Baptiste Constantin de Séchartres Cyclisme et Julien Lamy pour le CC Périgueux Dordogne. Et c'est pas Julien Lamy, hein, j'ai un doute, hein. Ce serait pas Callum O'Connor? Oh, ça me paraît un grand. Et donc on a la composition du groupe de contre qui est derrière les deux hommes de tête. Qui est un très très beau. D'arriver les 16 hommes de tête là, qui sont. Enfin les 16 hommes en contre. Et qui reprennent les Julien Lamy et Baptiste Constantin. J'aimerais bien savoir qui dans ce groupe là aimerait arriver au sprint avec Clément. Ouais, mais malheureusement Clément, ça sera très groupe. Compliqué d'avoir un sprint ici. Clément Orso, on le voit bien à l'image. Ça c'est possible, hein, mais il a la chance d'avoir Arnaud Vos aussi avec lui qui l'accompagne pour le team LMP. En tout cas, je vous recoller à. Et on n'a toujours pas retrouvé la liaison. 3008 qui passe. Oui, 3008 gris. Alors gris, je dirais pas gris anthracite, peut-être gris olive. Son test n'a été négatif, il me semble que hier ou avant. Et il devait y avoir 4 coureurs derrière, avec effectivement peut-être Lucas Grolier pour la formation Vendée U.